Bon, 9h35, c'est acceptable, 5 minutes de retard pour la neige. Ah non, c'était pas à vous que je me permettais de dire ça. C'était pour commencer, en fait. Oh, ça va, les gens de la montagne. Bien, mes chers collègues, donc c'est le deuxième, entre guillemets, épisode de ce qu'on a commencé à faire la semaine dernière, c'est-à-dire des cartes blanches à nos rapporteurs spéciaux pour nous permettre d'examiner des sujets à travers des personnes auditionnées qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, ou en tout cas qui complètent nos connaissances par rapport à, évidemment, des sujets qui ont un lien avec les questions financières, budgétaires, mais dont je crois qu'il est intéressant de voir quelle est leur problématique et quel est le contenu de ceci. Donc aujourd'hui, c'est Alexandre Molin, qui est à côté de moi, président du domaine skiable de France, que je remercie d'avoir fait neiger sur l'île de France, comme ça nous met dans l'ambiance, et d'avoir accepté de venir nous présenter les problématiques de cette chambre professionnelle des opérateurs de domaine skiable, comme l'indique le visuel que vous voyez sur les écrans derrière vous. Cette audition nous a été suggérée par Madame Émilie Bonivard, que donc je remercie, rapporteur spécial des crédits du tourisme, à qui je vais donner la parole pour 2 minutes avant le propos introductif de Monsieur Molin, afin qu'elle nous expose ce qui l'a conduite à proposer cette audition, donc les problématiques, les angles, à vous, chers collègues. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je souhaite vous remercier également le Bureau de la Commission des Finances de nous permettre, comme rapporteurs spéciaux, de proposer ces auditions. Pendant 5 ans, j'ai été rapporteur spécial. Je parle beaucoup de l'économie touristique, beaucoup des domaines skiables. Et je pense que c'est très important que tous les commissaires aux finances aient un niveau de connaissance de ces problématiques qui soit plus large et en tout cas qui ne soit pas par le seul spectre du rapporteur désigné. Donc je pense que c'est une très bonne idée et l'idée c'est vraiment d'avoir une présentation assez large des problématiques des domaines skiables d'aujourd'hui et des enjeux de demain pour que dans les rapports évidemment que nous porterons, ces problématiques soient comprises et partagées par tous. Donc l'idée c'était évidemment que vous puissiez mieux connaître cette économie touristique de montagne et les problématiques qui y sont liées. Quelques éléments, tout d'abord savez-vous que dans 80% des cas, les Français qui vont à la montagne, ils vont la première fois l'hiver. Et sur 80% de ces cas, 70% y vont pour le ski et la glisse. Ça signifie que les domaines skiables sont le moteur d'attractivité de la montagne. L'hiver, bien sûr, mais ensuite l'été, puisque la première fois, c'est l'hiver et ensuite, on sait que les gens y retournent. Alors ça ne signifie pas évidemment que les domaines skiables et toute l'économie touristique n'a pas abordé sa transition avec une diversification de ses offres, avec des outils de transition écologique, environnementale, pour dépendre un peu moins du ski, mais le domaine skiable, le ski, la glisse, la neige restent le moteur économique principal de nos stations. Les stations, c'est une formidable histoire, c'est une magnifique histoire de France. Je le dis parce que c'est évidemment le plan montagne du général de Gaulle et de Georges Pompidou. C'est une économie de l'offre, c'est une économie qui a permis au moment de la désertification rurale, où la vie est très, très dure en montagne, où les montagnards partaient travailler dans les industries, vidaient les territoires de montagne, eh bien c'est une économie qui a permis de sédentariser, de garder les montagnards en montagne, avec une perspective d'ascenseur social formidable dans les années 70-80. Donc c'est une création de richesse dans les années 70, 80, 90 qui a pu se créer sur les territoires de montagne, créer des emplois, garder nos écoles et donner des perspectives aux montagnards. Ça a été aussi, Monsieur le Président, une extraordinaire histoire qui a été construite avec des communes communistes et des comités d'entreprise, puisque des villages vacances se sont créés avec une philosophie à laquelle je suis très attachée, que la montagne est à tous et notamment aux plus fragiles ou ceux qui ont le moins de moyens, et cette histoire qui s'est construite avec les villes communistes dans les années 70-80, eh bien, on souhaite pouvoir la faire perdurer au travers des centres de vacances, des centres comités d'entreprise.
ces jeunes Parisiens, les petits jeunes de Colombes, de Sannois, qui sont venus skier en montagne, eh bien, ils reviennent aujourd'hui avec leurs enfants. Et on y est très attachés. Voilà, je ne souhaite pas être plus longue. L'objectif, c'est que les domaines skiables puissent présenter, évidemment, en quoi ils constituent le cœur de cette chaîne de valeur économique et fiscale pour nos stations, qu'ils puissent nous parler, évidemment, des problématiques auxquelles ils vont faire face cet hiver, c'est-à-dire, bien évidemment, les questions d'énergie, mais aussi l'avenir de nos stations de montagne. Je finirai en disant simplement, les stations de montagne, c'est bien sûr quelques grands domaines qui font la notoriété de la France, mais c'est essentiellement beaucoup de stations moyennes et de petites stations qui font vivre nos territoires de montagne et qu'ils font accompagner dans la transition écologique, mais peut-être aussi avec des outils fiscaux pour permettre de consolider ce modèle économique. Merci. Je vous remercie. Merci. Donc on va écouter, oui, 4 minutes, mais bon, ça permettait aux gens d'arriver, on va dire. On va écouter M. Alexandre Molin, juste à 9h15, à 10h15, il faudra que je m'absente 45 minutes, et l'excellente Véronique Louvagie a accepté, comme souvent, de me remplacer, je m'en excuse à l'avance, mais vous ne perdrez pas au change. Donc on va vous écouter, M. Alexandre Molin, pour présenter les enjeux de ce secteur économique dans la conjoncture actuelle. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Rapporteure. C'est un honneur pour nous de pouvoir aujourd'hui vous présenter l'activité des domaines skiables. C'est vrai qu'on est souvent une activité méconnue parce que pour vous, on est vos loisirs, alors que pour nous, c'est notre économie et c'est le moteur de l'économie touristique de nos territoires de montagne. On l'a vu, on a eu un démonstrateur grandeur nature l'hiver de la crise Covid. Quand les domaines skiables ont été fermés, la fréquentation de nos territoires a baissé de plus de 70%. Alors que les gens pouvaient se déplacer et partir en vacances. Aujourd'hui, si on enlève les domaines skiables, c'est des départements entiers qui perdent une part très importante de la valeur ajoutée et de l'emploi sur leur territoire. Une idée à laquelle j'aimerais tendre le coup, c'est qu'on pense que l'économie se fait au-dessus de 1000 mètres et que c'est en vase clos et qu'on est des petites autarcies, les territoires, les stations de ski, alors que bien au contraire, l'économie du ski ruisselle dans les vallées. On vous présente là à l'écran un indicateur, qui est l'indicateur biome, qui a été validé par la COP21, qui voit le taux de prégnance de notre économie et comment elle est redistribuée sur le territoire. 60% de l'argent que vous mettez dans un forfait retourne sur le territoire et dans les vallées de nos territoires, dans les départements voisins. Donc l'argent du ski est réinvesti localement et aussi dans l'emploi. C'est une source très importante. Quand on compare, par exemple, avec une industrie, c'est 40% qui est redistribuée sur le territoire et un supermarché, c'est seulement 20%. Donc nous sommes des emplois et nous créons une richesse qui est redistribuée en local. Ça, c'est quelque chose de très important. Après, élément important, on s'imagine toujours que les domaines skiables occupent toute la montagne. Les pistes de ski n'occupent que 0,2% du territoire montagnard français. Donc on a réussi à faire une économie sur 0,2% de notre territoire. Et depuis le sommet des remontées mécaniques, en prenant le hors-piste avec, on n'accède qu'à 1,4% de la montagne. Donc on entend souvent dire que les domaines skiables détruisent la montagne. Aujourd'hui, on travaille précautionneusement sur une toute petite partie, ce qui est normal. On a la chance que la majorité des Français aient appris à skier au moins dans leur jeunesse et qu'il y en a encore 43% des Français qui pratiquent le ski au moins occasionnellement. Et 25% le pratiquent régulièrement. Donc ce n'est pas que les 8% des plus riches qui vont au ski, comme on l'entend souvent. On a des indicateurs, on fait des enquêtes avec l'Ipsos depuis plusieurs années. Ces chiffres sont toujours les mêmes, ont même été en augmentation l'année dernière, mais d'habitude c'est plutôt aux alentours de 20% qui ont skié sur les 12 derniers mois. Les forfaits de ski, ça ramène 1,5 milliard d'euros de recettes hors taxes. Et aujourd'hui, on multiplie par 6 pour connaître combien est dépensé grâce à l'économie touristique sur nos territoires. Donc c'est 9 milliards, dont 2 milliards qui dus aux étrangers qui viennent en France, donc 2 milliards qui sont en positif pour la balance économique de la France. Aujourd'hui, 120 000 emplois directs dépendent des domaines skiables. Notre branche professionnelle en compte 18 000. Et au total, c'est 300 000 emplois avec les emplois indirects dans les vallées qui sont générés par l'économie de notre activité. Et aujourd'hui, on nous pose souvent la question de la durabilité de notre pratique, de notre économie. Il est à savoir que les scientifiques du GIEC, ceux qui ont contribué au rapport spécifique à la montagne, ont créé un outil de prédiction qui s'appelle CleanSnow, qui permet à chaque territoire de savoir où il sera en 2050 et en 2080.
Alors en 2080, c'est très loin et il est très difficile de savoir si les prévisions seront bonnes et si on n'en sera pas trop loin. Mais en 2050, on a à peu près une certitude de quel sera le climat. Et aujourd'hui, sur la très, très grande majorité, pour ne pas dire la totalité, on a des prévisions qui montrent que le ski sera toujours un moteur important de l'économie de nos territoires de montagne dans 30 ans. Je pense qu'il y a peu d'industries qui ont une visibilité aussi longue. Souvent, on connaît beaucoup d'industries qui se posent la question où elles seront dans 5 ou 10 ans. Nous, on a la chance d'avoir une vision qui est de plusieurs décennies. Alors, même moi, je vais avoir du mal à lire. Heureusement, je connais un peu les indicateurs. Le ski, notre fédération, a une particularité, c'est qu'on regroupe des acteurs totalement différents. Dans nos adhérents, on retrouve des régies, des SPL, des SEM, des exploitants privés, des associations. Donc, on voit que les exploitants publics représentent la moitié des adhérents et les SEM et SA, parce qu'une SEM, c'est aussi un acteur privé, représentent l'autre moitié de nos adhérents. Voilà. Après, on se rend bien compte que les très grandes stations, qui sont au nombre de 14, font quasiment 40% du nombre de journées skieurs. Les stations de taille, ce qu'on appelle les grandes stations, qui sont des stations de taille moyenne dans l'esprit des gens, représentent 40%. Et les toutes petites et stations représentent à peu près 20% du nombre de journées skieurs. Ce qui est quand même important à se rendre compte, c'est que dans nos chambres professionnelles, notre plus petit adhérent fait 10 000 euros de chiffre d'affaires, un petit téléski géré de manière associative, et notre plus gros adhérent, qui est un groupe dont la Caisse des dépôts est l'un des principaux actionnaires, fait 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc il faut arriver à trouver des solutions pour embarquer tout le monde et avec des problématiques qui peuvent être extrêmement différentes d'un opérateur à l'autre. Et puis on est surtout sur tous les territoires de montagne, comme le montrait la slide d'avant, n'allez pas trop vite, je ne parle pas encore assez vite. Donc on est des Pyrénées jusqu'aux Vosges, on voit qu'il y a entre guillemets 25% du territoire qui a des montagnes, et dans tous les secteurs où il y a des montagnes, nous avons la chance d'avoir des adhérents et le ski se pratique. Et comme le disait très bien Émilie Bonivard juste avant, je pense qu'on n'a pas trouvé un meilleur incubateur pour créer de l'économie locale et permettre aux gens de rester sur leur territoire. Si on prend des exemples, moi j'ai eu la chance pendant des années de travailler, de développer une station de ski dans la vallée de la Maurienne. À l'époque, quand la commune n'arrivait plus à investir, tous les jeunes de ma génération sont partis travailler ailleurs. Depuis qu'on a relancé un développement et une économie locale, tous les jeunes peuvent et sont restés au pays. Ils n'ont pas eu à fuir, à aller ailleurs pour trouver du travail. On a su générer suffisamment d'activités pour que les habitants du territoire ne soient pas obligés de partir de leur territoire. Et c'est souvent une grande fierté de se dire qu'on a contribué à ce que des communes ne meurent pas. Donc, 80% des nuitées se font l'hiver en station et 20% sur l'été. 90% de nos visiteurs, effectivement, sont des skieurs. On s'imagine souvent que les gens vont à la montagne et ne skient plus. Alors, c'est plus la même pratique du ski qu'avant. Les gens ne font plus forcément 6 jours de ski, mais 80% des skieurs font plus d'un jour sur deux de ski pendant leur séjour. Donc le ski est toujours un acteur important. Par contre, la pratique du ski a énormément changé parce qu'on s'est modernisé, on n'est plus sur le vieux télésiège de place qui mettait une demi-heure pour arriver au sommet de la montagne. Maintenant, on a des appareils qui répondent aux attentes des clients, qui mettent 7-8 minutes. Il n'y a plus d'attente parce qu'on a augmenté les débits. Donc les gens, avant ou pour faire leurs 10 descentes par jour, c'est ce que fait un client en moyenne et ça n'a pas changé depuis 30 ans, il lui fallait 8 heures de temps. Maintenant, en 4 heures, il a réalisé sa journée de ski et il peut profiter d'autres loisirs sur le territoire et justement mieux connaître le territoire au travers d'autres activités comme le chien de traîneau, et toutes les activités qu'on a la chance de proposer à la montagne. Et comme je vous disais tout à l'heure, 70% de baisse de la fréquentation lors de l'hiver Covid, ça a été vraiment un démonstrateur. Et dans les 30% qui restent, la grande majorité sont les propriétaires d'appartements qui ont payé leurs charges. Et vu qu'ils n'ont pas pu le louer, ils sont quand même venus en profiter, voire même plus longtemps. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à conserver à peu près 30% de la fréquentation avec des clients attachés, comme on pourrait les appeler. L'emploi dans les domaines skiables, c'est 80% de saisonniers. Ce n'est pas qu'on ne veut pas aujourd'hui faire autrement, mais malheureusement, notre activité n'est que l'hiver. Et donc, en dehors de cette période-là, on ne peut pas conserver nos collaborateurs. Par contre, on a eu toujours une volonté aujourd'hui d'accompagner nos collaborateurs, de les fidéliser, parce que nous travaillons sur des outils industriels. Une remontée mécanique, c'est un outil de transport industriel, comme pourrait l'être la RATP. Donc, on a besoin de compétences. On a besoin de sécurité et donc il y a une fidélisation. Nos collaborateurs ont en moyenne 8 saisons d'ancienneté, ce qui n'est pas rien. Et quand on voit depuis la crise Covid, nous avons eu beaucoup moins de mal que les autres à recruter l'année dernière.
mais nous avions peu de CV pour remplacer ceux qui ne revenaient pas, parce que nous avons un taux de fidélisation aux alentours de 80%, ce qui est important. Cette année, tout est revenu, nous n'avons aucun problème de recrutement. Nous faisons partie des rares professions qui n'avons pas de problème de recrutement dans le monde de la saisonnalité. Et notre turnover, j'ai dit 20%, en fait, le chiffre est de 15. Donc ça veut dire 80 sur 100 collaborateurs, il y en a 85 qui reviennent d'année en année. Donc ce qui est extrêmement faible, et nous faisons tout pour ça. Nous avons une politique sociale qui a été volontariste. Depuis 40 ans, nous avons mis en place la reconduction automatique, c'est-à-dire qu'un collaborateur qui a fait une saison, s'il repostule avant le 15 septembre, nous avons l'obligation de le reprendre. Donc nous avons voulu montrer à nos collaborateurs qu'ils étaient chez eux et qu'ils pouvaient revenir. C'était important pour nous. Et nous avons une montée en compétences. Nous avons souvent récupéré dans les domaines skiables pendant longtemps, et ça continue encore, des gens qui n'avaient pas de diplôme, qui étaient restés sur le territoire, qui n'avaient pas, entre guillemets, eu la chance de faire des études et qui n'avaient pas forcément de grandes possibilités pour l'avenir. Et combien sont rentrés chez nous par la petite porte ? Et aujourd'hui, ce sont les responsables de service, les managers d'équipe. Voilà, nous sommes un ascenseur social en interne pour des collaborateurs, pour qu'ils puissent rester sur leur terre. Et sur la, entre guillemets, nous avons aussi une filiale en interne dans notre chambre professionnelle pour les formations. Et c'est plus de 1000 certificats qui sont donnés chaque année, des certificats spécifiques à nos métiers sur la conduite des appareils ou sur la sécurité. Qui sont les skieurs ? Ben, aujourd'hui, les skieurs, ils sont à 98% européens. Donc, grande majorité de clients qui viennent en voiture. Malheureusement, pas assez en train, parce que souvent, on manque de lignes et de trains. On aimerait bien avoir plus de trains de nuit et plus de TGV pour décarboner. Et puis, le coût aussi du transport qui est extrêmement cher quand on vient en TGV. Et voire, on n'arrive pas à trouver les navettes pour monter les clients une fois qu'on est sorti du TGV. Donc, il faut repenser le déplacement de nos clients pour décarboner nos activités. 56% de notre bilan carbone vient du transport. Donc, on a vraiment un axe de travail là-dessus. 2/3 de nos clients sont français. On pense souvent, comme je le disais tout à l'heure, que le skieur est, entre guillemets, quelqu'un de très riche. Bah, 55% de nos clients ont un revenu du foyer, pas individuel, du foyer, de moins de 36 000 euros par an après impôt. C'est-à-dire à 2% près, on est à peu près comme le français lambda. Et les 3/4 ont un revenu inférieur à 4 000 euros par mois après impôt en revenu du foyer. Et après, une petite partie, bien sûr, qui ont des revenus largement supérieurs. Aujourd'hui, nous sommes bien conscients du changement climatique, du réchauffement climatique, il faut l'appeler tel quel. Et je pense que même si on a des indicateurs qui nous montrent que dans 30 ans, on sera encore là et qu'on a encore de beaux jours devant nous, il est de notre devoir, à tous, de s'engager en faveur du climat. Et puisqu'on en sera les premières victimes du réchauffement climatique, ben on ne voulait pas attendre les bras croisés que ça se passe. Donc il y a 2 ans, nous avons pris 16 éco-engagements qui ont été pris par l'ensemble des exploitants de domaines skiables en France. Donc ce n'est pas une charte où chacun choisit, je vais faire une action pour faire de la communication. Nous nous sommes solidairement engagés à prendre ces engagements en faveur du climat. Le plus important est un objectif de neutralité carbone à l'échéance 2037, donc bien avant ce qui est demandé par les accords de Paris. Nous travaillons tous les volets, l'eau, la biodiversité, les paysages. Et quand cette année, on nous a parlé de plan de sobriété, ben écoutez, nous, on s'était déjà engagés, on avait déjà commencé et on ne va pas arrêter parce qu'une fois qu'on aura réalisé nos objectifs, petit à petit, c'est que des objectifs qui sont mesurables et quantifiables, ce qui fait que chaque année, on rend un rapport sur l'état d'avancement de nos engagements pour le climat. Voilà, on essaie de faire... Nous sommes un métier d'ingénieur plutôt, donc en tant que métier d'ingénieur, on essaie de prendre des choses qui soient qualifiables, quantifiables. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bien, je vais vous expliquer comment ça va se passer maintenant. Je vais vous poser des questions. Le rapporteur général, non moins excellent, va vous poser des questions, au moins pertinent. La rapporteure spéciale, c'était un petit mot sympathique, la rapporteure spéciale, c'est Noël. La rapporteure spéciale va enchaîner. Vous répondrez à ces premières séries de questions et après, on passera aux orateurs de groupe. Voilà. Donc moi, je vais commencer avec plusieurs questions. Je voudrais savoir, parmi vos adhérents, combien ont renégocié cette année leur contrat d'énergie avec leurs fournisseurs, avec des nouveaux tarifs plus élevés. Est-ce que vous pouvez chiffrer pour la saison en cours, 2022-2023, l'augmentation des charges liées au coût de l'énergie pour les domaines skiables ? Existe-t-il, à votre connaissance, des domaines skiables qui seront dans l'incapacité d'ouvrir cet hiver en raison de l'augmentation des coûts de l'énergie ? Et j'ai une troisième question qui, j'allais dire, est un peu plus en prospective.
Bon, il y a on connaît les effets du réchauffement climatique. On connaît la difficulté, si je ne me trompe pas, en tout cas en moyenne montagne, je ne suis pas un spécialiste du tout, de certaines stations de continuer à ouvrir par rapport à l'enneigement, etc. Donc est-ce que vous avez des perspectives sur le nombre de stations qui, à l'avenir, pourraient ne plus utiliser cette forme d'activité et du coup, quelles seraient les reconversions possibles? Et globalement, quel serait justement pour les stations en général le coût financier, mais peut-être aussi en termes d'eau, par exemple, du réchauffement climatique? Je ne sais pas si vous avez des choses là-dessus sur lesquelles vous avez travaillé. Monsieur le rapporteur général. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, merci beaucoup pour votre exposé, madame la rapporteure spéciale. Merci beaucoup pour cette belle initiative qui nous a permis de voyager et d'oublier quelques instants de sujet. Mais on va peut-être essayer de revenir sur nos sujets économiques. Personne n'a de doute, je crois, et vous l'avez très bien défendu, sur l'importance de cette activité pour nos territoires. Et donc, effectivement, elle est absolument essentielle. Moi, je voudrais quand même... j'aurais aimé vous entendre sur le soutien qu'a apporté le gouvernement pendant la crise du Covid et qui a permis, je crois, à votre activité de passer la crise pas trop mal, si je vous écoute. Bon, je vais pas revenir sur toutes les mesures qui ont été prises en faveur des acteurs de la montagne, mais il y a eu un fonds de soutien spécifique de 480 millions d'euros. Il y a eu l'activité partielle pour les saisonniers. Il y a eu un fonds spécial pour les commerces de détail situés dans les stations et les vallées. Un dispositif coût fixe également très, très important. Au total, avec les mesures générales, on était aux alentours de 5 milliards de mesures d'urgence qui ont été votées. Et c'est très bien. Mais je pense que vous auriez pu avoir peut-être un mot sur ce sujet. A été annoncé également le plan Avenir Montagne le 25 mai 2021 de l'excellent rapporteur général Joël Giraud. Bon, pour accompagner les territoires de montagne, il y a un fonds Avenir Montagne qui est doté de 331 millions d'euros. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a d'autres dispositifs dans ce plan Avenir Montagne. Voilà, quel est votre recul par rapport à ça? Est-ce que ce sont des mesures qui conviennent? Je ne parle pas des aides spécifiques qui ont été faites aux collectivités territoriales également pendant cette période. Deux, trois points. Donc, quelle est la situation aujourd'hui financière de vos domaines skiables? Est-ce que vous avez passé la crise correctement? J'ai vu que les forfaits avaient continué à augmenter de 23%. Est-ce à dire que votre chiffre d'affaires de 23%, c'est le chiffre que vous avez donné? Ça veut dire que votre activité économique aujourd'hui est rentable? En tout cas, vous avez réussi à passer les différentes crises. Je voulais savoir si quel était l'impact, un peu comme l'a demandé le président de la Commission, quel est l'impact de la crise énergétique sur l'équilibre de votre économie de montagne aujourd'hui? Est-ce que ce sont des coûts absorbables? Quels sont les dispositifs que vous avez pris pour peut-être réduire votre consommation? Et puis un point sur l'adaptation au changement climatique. Quel est le poids aujourd'hui de l'activité d'été, par opposition peut-être à l'activité d'hiver? Je ne sais pas si on peut la simplifier comme ça, vous m'excuserez. Je suis de la campagne. Quelle perspective un peu moyen terme vous donnez? Est-ce que vous imaginez dans le plan que vous avez évoqué très rapidement une activité donc skiable qui va rester à son niveau actuel, qui va continuer à se développer, ou au contraire, vous êtes en train de prévoir un équilibre avec l'activité estivale? Merci beaucoup. Merci. Madame Bonnivard, à vous. Oui, merci, monsieur le président. Alors, moi, je souhaiterais revenir simplement... l'objectif de cette audition, c'était d'être tourné vers l'avenir, parce que si on pense au passé, on peut dire aussi que le gouvernement a décidé de fermer les stations et que donc 80% de l'économie montagnarde qui fonctionne... Non, mais je veux dire... Voilà, c'est-à-dire qu'on peut le dire, mais on peut aussi refaire l'histoire, expliquer que cette solidarité, elle était normale. C'est comme si on avait confiné, arrêté l'économie française pendant un an. Donc cette solidarité nationale, elle était normale. On est très contents, mais l'objectif était plutôt d'être tourné vers l'avenir. Moi, j'ai une question sur le plan montagne.
Est-ce que les domaines skiables ont bénéficié du plan montagne ? C'est, on l'a dit, principal moteur économique des stations. Est-ce que vous avez été bénéficiaire du plan montagne ? Deuxième question, la question du foncier. On a une problématique majeure en montagne sur le prix du foncier. Nous n'avons pas malheureusement de dispositifs qui permettent aujourd'hui aux jeunes ou aux habitants de rester dans nos territoires de montagne parce que les coûts du foncier subissent une inflation. Qu'est-ce que vous proposez pour permettre aux habitants, aux saisonniers de se loger, de continuer à vivre à l'année, notamment en montagne ? Je vous remercie. Merci de votre rapidité. Monsieur Boudabou. Merci beaucoup. Avec toutes ces questions, je vais avoir de quoi répondre. Avec grand plaisir. Donc 40% de nos adhérents ont renouvelé leur contrat d'électricité cette année, avec des augmentations, comme on le sait tous, qui sont faramineuses, mais avec aussi une vraie problématique sur la constitution du tarif d'électricité pour les exploitants de domaines skiables. Aujourd'hui, nous avons la chance en France d'avoir l'AREN, donc le tarif spécifique à l'électricité nucléaire historique, sauf qu'en moyenne, c'est 50% sur la facture d'une entreprise. Chez nous, c'est plutôt 25 à 30% de taux d'AREN. Donc le taux du marché actuel fait qu'on a encore plus crevé les plafonds, plus monté au sommet des montagnes en termes de tarifs que n'importe quelle autre industrie en France. Donc c'est une catastrophe, cette augmentation tarifaire. On passe de tarifs à 6 centimes le kilowattheure pour le monter x 20, x 30. Donc c'est insupportable. Aujourd'hui, la charge d'électricité, on était des électro-intensifs, l'électricité représentait à peu près 3% de notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on va monter à 10, 15, voire 20% de nos chiffres d'affaires qui va passer à l'électricité. Donc pour beaucoup d'exploitants, ce ne sera pas tenable, mais tous vont ouvrir, parce que déjà, nous sommes un service public de transport, donc nous n'avons pas le choix. Après, il y a des dispositifs qui se mettent en place, on ne demande pas un dispositif spécifique sur l'électricité. On demande juste à être traité comme toutes les autres entreprises de France, comme tout le monde souffre de ce sujet-là. Il n'y a pas de dispositif à avoir particulièrement pour nous, mais on doit, entre guillemets, être éligible. Et on s'est assuré que les régies municipales, qui pour l'instant n'étaient pas prévues dans les dispositifs, le soient. Et je remercie tous les parlementaires qui ont œuvré et aidé pour qu'il y ait cette précision. Parce qu'elles devaient l'être, elles ont été retirées du dispositif pour le début d'année, et là, elles ont été réintégrées dans le dispositif, et c'était indispensable. Sur l'avenir, comme je disais tout à l'heure, Monsieur le Président, il y a un outil qui s'appelle ClimSnow qui permettra à chaque territoire de connaître sur chaque piste, sur chaque orientation, à chaque altitude, quel sera son avenir et quelles seront ses possibilités. Cet outil est indispensable et nous, on pousse pour que tous nos adhérents le fassent. Il y a des départements comme l'Isère qui l'ont fait dans leur intégralité. Ça a été les premiers. Ça a été la base de l'étude de ClimSnow avec les scientifiques de Météo France et de l'IRSTEA. Et il ne faut pas penser que le réchauffement climatique va faire que la neige va disparaître. On aura plus d'aléas. Où une station connaissait un hiver sur 6 où il y avait des difficultés d'enneigement, on va passer à un hiver sur 4. Des très grandes stations qui avaient un hiver sur 15 difficile vont passer à un hiver sur 10. Donc ça ne va pas s'arrêter le ski. Mais, entre guillemets, il y aura des aléas qui vont faire que ce sera certainement de plus en plus difficile sur beaucoup de territoires. Et comme je disais, à l'échéance 2050, on sait qu'à peu près 95-97% des stations seront encore présentes, viables et pourront continuer à faire vivre l'économie du territoire. Après, sur la rentabilité que vous demandiez aussi sur l'électricité, il faut savoir qu'on a un tiers de nos adhérents, voire la moitié, qui ne sont pas rentables, qui sont des régies municipales. Et les élus prennent sur le budget communal pour combler le trou parce qu'ils savent que s'ils arrêtent le ski, leur village va mourir. Donc il y a une volonté des élus de continuer une activité pas rentable, mais afin d'accompagner tous les autres acteurs économiques du territoire qui dépendent du ski et de sa pratique. Monsieur le rapporteur, vous avez interrogé sur le soutien du gouvernement pendant la crise Covid. Il y a quelques jours, on était le 11 décembre, et ça me rappelait il y a 2 ans quand on a eu la validation du dispositif spécifique des 49% pour les domaines skiables, parce qu'on a eu un dispositif spécifique, pas qu'on le désirait, mais aussi parce qu'on a une particularité. C'est qu'en tant que délégataire de service public, nos amortissements ne font pas notre richesse future, puisque tous ces biens vont être rendus aux communes dans le cadre de la délégation de service public pour leur valeur nette comptable. Donc contrairement aux autres entreprises, on ne pouvait pas avoir que 20% qui couvrait les charges, mais on avait besoin d'un dispositif. Et à la date à laquelle avait été prévue la fermeture, nous avions déjà beaucoup investi, produit de la neige, mis des heures de travail, et on devait maintenir cet outil de travail pour potentiellement ouvrir le 7 janvier. On a bien vu qu'on n'a pas ouvert.
Je ne veux pas reprendre les propos de Madame la députée Bonnivard, mais effectivement, nous, on a toujours défendu qu'on aurait dû ouvrir. Et on a prévenu, le président de l'association des maires de stations de montagne avait prévenu que si on n'ouvrait pas les stations, ça allait coûter 5 milliards. Et à l'époque, beaucoup n'ont pas voulu nous croire. Le coût a bien été de 5 milliards. Oui, on va remercier parce qu'on a été bien accompagné. Et il faut savoir dire merci, et on le dit. Et je n'ai pas manqué de le dire, que ce soit au Premier ministre Castex, au ministre Giraud, au ministre Lemoine. Et on remercie l'écoute. On remercie l'écoute, le temps et les moyens qui ont été mis pour sauver notre activité. Tous nos adhérents ont survécu à la crise Covid. C'était notre seul objectif, que tout le monde soit sur la ligne de départ pour l'année suivante. Donc c'est un objectif qui a marché et ça a permis de sauver l'ensemble de l'économie des territoires de montagne. Sur l'activité partielle des saisonniers, oui, ça a été une demande de notre part où la ministre du Travail de l'époque avait validé qu'on pouvait embaucher les saisonniers et les placer en activité partielle. Car on était à l'époque au départ du deuxième confinement. Et au départ du deuxième confinement, il y avait des stations qui ouvraient, qui devaient recruter le lendemain, et ils nous ont demandé ce qu'ils devaient faire. Et nos collaborateurs, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est la priorité de nos entreprises, c'est la force vive. Et on ne voulait pas laisser des gens sur le bord du chemin qui seraient retrouvés sans travail, sans droit au chômage pour certains. Et comment on pouvait faire pour ne pas laisser des êtres humains dans la difficulté à cette période-là. Et on remercie le gouvernement d'avoir, en moins de 5 jours... valider le fait qu'on puisse embaucher nos saisonniers et les placer sous le régime de protection de l'activité partielle. Je le dis haut et fort à chaque fois, hein, j'ai aucun souci. Sur le plan avenir montagne, mais merci en montagne, ça veut dire encore souvent, hein, c'est souvent notre petite marotte, donc je dis souvent merci parce qu'on aime bien réclamer aussi un peu plus. Sur le plan avenir montagne, il a été créé pour permettre la relance de nos activités. On a été honoré qu'il y ait un plan spécifique à la montagne parce que ça faisait plusieurs décennies qu'il n'y en avait pas eu. Le plan se voulait ambitieux. Après, je pense que, à mes yeux, c'est nous qui avons été fermés et c'est pas nous qui en avons bénéficié. Il a permis d'accélérer beaucoup d'autres activités, mais nous avons été très peu, entre guillemets, dans les dossiers qui ont été sélectionnés. Il a fallu battre le fer avant l'annonce pour que les remontées mécaniques et le financement des remontées mécaniques puissent être inclus dans ce plan. Et on a vu que dans la réalité, ça a été extrêmement compliqué. Ça a permis à beaucoup d'autres activités du territoire de bien se développer, et tant mieux. Mais on aurait aimé en avoir un peu plus sur la relance, parce que c'est quand même nous qui avons été fermés, c'est nous qui avons le plus souffert de cette situation-là. Vous avez parlé tout à l'heure de l'augmentation des forfaits. Bah, effectivement, l'augmentation des forfaits, chaque année, hein, comme chaque activité, nous avons une augmentation. Mais cette année, nous avons tous fait nos tarifs au mois de janvier-février, parce que, délégation de service public, on est obligé de les faire valider avant de les commercialiser. Et je pense que nous nous sommes un peu trompés, parce que ça ne couvre pas l'augmentation du coût de l'électricité. Et je ne parle pas de l'ensemble des autres charges qui augmentent. Les salaires, nous venons d'avoir un accord très intéressant à plus de 7% avec les syndicats pour l'augmentation des salaires de base dans notre profession et nous y tenons. Donc aujourd'hui, les augmentations ne couvrent même pas la moitié de l'augmentation des charges de nos adhérents. Et ça, ça va être une vraie difficulté, mais nous devons l'assumer et on ne peut pas changer notre tarif au dernier moment dans le cadre d'une activité de délégation de service public. Et il est très compliqué de retourner voir les élus territoire par territoire pour leur demander une seconde augmentation dans le contexte actuel dans lequel on est. Est-ce que nos adhérents sont rentables? Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une grande partie des régies municipales qui ne le sont pas, mais c'est rentable pour le territoire. Donc le modèle continue et le modèle persiste, car si on arrête nos câbles, eh ben, le magasin, le boulanger ne va plus travailler. C'était un peu le sens du dispositif spécifique qui avait été pris en disant que tous les commerces de station, quel que soit leur code NAF, pouvaient être éligibles au fonds de solidarité parce qu'effectivement, il était difficile de faire comprendre qu'un pharmacien perdait 80% de son activité sur un territoire parce qu'il n'y avait plus de remontée mécanique. Et ça, c'est un peu la spécificité de nos territoires, c'est que tout est imbriqué et si on arrête un maillon de la chaîne, bah, c'est l'ensemble du territoire qui sera impacté. Et sur l'adaptation au changement climatique, bah, écoutez, aujourd'hui, l'activité estivale représente
5% de notre chiffre d'affaires. Et si on enlève Chamonix, qui fait 50% de l'activité estivale, c'est moins de 2,5% du chiffre d'affaires des exploitants de domaines skiables qui est fait sur la période estivale. On n'a pas encore trouvé une activité qui soit l'équivalent du ski pour l'été. Parce qu'avec le ski, on a permis à tous les territoires de vivre. On a longtemps pensé que le vélo, le VTT, permettrait de créer une activité estivale. Malheureusement, c'est extrêmement cher de faire du vélo de descente. Ce n'est pas adapté à tous les profils. Autant toutes les personnes présentes ici pourraient aller faire du ski, autant je ne vous conseille pas de tous essayer le VTT de descente. Il y a de quoi se faire peur et se faire très très mal. Donc on n'a pas encore trouvé comment développer une activité plus importante sur la partie estivale. Et je pense que ça se fera territoire par territoire. On ne trouvera pas une activité qui permettra à tous les territoires de se développer de manière égale. Sur le foncier, Madame la députée, vous m'avez donné quelque chose de très intéressant parce qu'effectivement, on manque de foncier en montagne. Mais on manque de foncier parce qu'on a aussi des difficultés spécifiques. Aujourd'hui, où arrive la ZAN, hein, on parle tous beaucoup de la ZAN, il faut savoir que nous, sur les territoires de montagne, nous avions déjà un dispositif spécifique qui était dans la loi montagne, qui interdisait les constructions dans la discontinuité. Donc, c'est-à-dire que, ou dans des zones urbaines ou des zones rurales, on pouvait construire en dehors du hameau principal. Nous, c'était déjà interdit par la loi montagne depuis 2015. Donc, on a énormément de contraintes qui font que le foncier est de plus en plus rare. Et effectivement, il est de plus en plus cher pour les gens qui veulent vivre sur place. Et après, il est de plus en plus difficile de trouver des hébergements pour nos collaborateurs saisonniers. Dans notre chambre professionnelle, nous sommes relativement structurés, des entreprises de taille quand même plus importante que le commerçant. Donc nous avons massivement, souvent, investi dans des appartements, acheté des appartements, rénové des appartements pour pouvoir loger dignement nos collaborateurs. Et à ce titre, il y a toujours quelque chose que j'ai trouvé extrêmement difficile, c'est que si on achète un appartement pour le louer à un touriste, nous avons le droit de récupérer la TVA. Par contre, si on le fait pour nos collaborateurs, on ne peut pas récupérer la TVA. Donc il coûte plus cher de travailler pour et d'investir pour le bien-être de nos collaborateurs qu'il ne l'est pour accueillir un touriste. Et ça, je trouve que c'est une discrimination, surtout que c'est des travailleurs non permanents du territoire. C'est des gens qui vont faire 4-5 mois sur un territoire, qui vont aller travailler sur un autre territoire, et au moins que quand ils soient sur un territoire, ils aient des conditions dignes de vie. Et qu'on ne voit plus certaines conditions où ils trouvent des appartements à louer chez certains propriétaires qui les mettent à des saisonniers parce qu'ils ne sont plus en état d'être loués pour des touristes. Et ça, ce n'est pas normal. Et ce n'est pas ce que méritent les collaborateurs qui font l'effort de travailler avec nous. Et après, je pense qu'il y a besoin d'une meilleure maîtrise du foncier parce que quand on a fait des dispositifs d'accession à la propriété pour les travailleurs locaux, bah, quelques années plus tard, ils ont fait de belles plus-values, ils ont revendu. Et ça devient souvent ce qu'on appelle les lits froids, les volets clos. C'est des appartements qui sont pris par des particuliers, qui le gardent, qui l'utilisent que 3 ou 4 semaines et qui en gardent leur jouissance personnelle, qui ne le mettent plus à la location. Et ça, c'est la mort de nos territoires. Aujourd'hui, il faut aussi soutenir, entre guillemets, les résidences de touristes, les hôtels, les agences immobilières qui permettent d'aller ouvrir ces lits et qui permettent aujourd'hui de créer une vraie dynamique. Un lit en résidence de tourisme rapporte sur le territoire 8 000 euros en moyenne, ou ce qu'on appelle les volets clos ramène 1 000 euros. Donc vous imaginez le démultiplicateur pour le même appartement en termes d'économie, c'est x8. Merci. On va commencer par les orateurs de groupe. Je vais changer un tout petit peu l'ordre, comme ça je vais proposer à Véronique Louwagie d'intervenir, parce qu'elle va me remplacer après. Donc comme ça, ça sera fait. Merci. Véronique. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président pour la présentation que vous en avez faite. Merci à Madame la rapporteure spéciale de permettre cette audition. Deux points que je souhaiterais aborder. Revenir un petit peu sur la typologie au niveau des exploitants des domaines skiables. Si j'ai bien compris, c'est la Compagnie des Alpes qui est le principal exploitant. Mais est-ce que vous pouvez nous donner une vision de cette répartition et du poids des exploitants au sein de cette grande famille des exploitants des domaines. Un deuxième point que je souhaiterais aborder, est-ce qu'il y a une attention particulière et un développement, une volonté d'accueillir des classes de neige? Est-ce que vous avez des liens qui s'établissent avec les collectivités, parce que c'est un dispositif qui permet aujourd'hui à des enfants de découvrir la montagne, la neige et le ski. Et j'ai l'impression que nous parlons beaucoup des classes de mer, mais beaucoup moins des classes de neige. Et moi, je me souviens que j'ai découvert le ski et la montagne de cette manière. Voilà, je vous remercie. Merci. Véronique, si
Voilà. Et en attendant que Véronique arrive, je passe la parole à Xavier Roseraine pour le groupe Renaissance. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président et Monsieur le Directeur de Domaine-Skiable de France, on est très heureux de pouvoir vous auditionner parce que vous êtes un acteur incontournable de nos montagnes. Et merci pour votre présentation liminaire qui nous permet de saisir l'ensemble des enjeux rencontrés par Domaine-Skiable de France. Lors de la crise Covid, le gouvernement a mis en place un dispositif de soutien spécifique aux territoires de montagne et les aides, elles ont été massives. Et à titre d'exemple, le Fonds de solidarité a été territorialisé pour les zones de montagne puisque nous avons mis en place, après nous avons mis en place le plan Avenir Montagne dans le cadre de la relance. En 2022, le poids économique du tourisme en montagne est considérable et on estime à 9 milliards d'euros, vous l'avez précisé tout à l'heure, de chiffre d'affaires, ce qui correspond à peu près à 10% de la consommation touristique nationale. J'ai trois questions. Sur la première, vous l'avez presque déjà répondu sur la problématique du logement. Elle est primordiale dans nos stations. Et vous savez, on a une part souvent importante de lits froids et de résidences secondaires. Ainsi, si vous pouviez préciser le rôle et les actions menées par DSF pour favoriser du coup le logement saisonnier, travailleurs et également lutte contre le lit froid, parce que vous avez fait un constat, mais si vous aviez quelques solutions très concrètes, nous sommes preneurs. Ensuite, pour que la France reste compétitive par rapport à ses pays voisins, le parc de remontées mécaniques a besoin d'être rénové. Et quelles sont, de votre point de vue, les difficultés rencontrées par les exploitants lors des projets de rénovation des remontées mécaniques dans nos stations? Et pour terminer, des avancées notables ont été permises par la loi concernant le marché du travail en vue du plein emploi. Toutefois, le mécanisme de bonus-malus sur les contributions d'assurance chômage vous semble-t-il adapté à la forte saisonnalité de nos activités touristiques? Merci. Et juste peut-être revenez sur les centres de vacances. On a besoin de ce tourisme social parce que tous les gens qui viennent skier quand ils sont enfants dans nos stations les pratiquent après lorsqu'ils sont adultes. Et malgré la bonne volonté de l'ensemble des acteurs, on n'a pas trouvé aujourd'hui la solution pour que le tourisme social vive bien en montagne. Merci beaucoup, Monsieur Roseraine. Pour le groupe Rassemblement National, Monsieur Franck Alizio. Merci. Merci, Madame la Présidente. Depuis quelques mois, les stations de montagne rencontrent une problématique, notamment celle des Alpes, dans ma région. Cette problématique est celle de la suppression méthodique de ce qu'on appelle les tarifs spéciaux. Pour être clair, les écoliers habitant en montagne toute l'année, donc, devront à présent payer au prix fort leur forfait de ski. Et c'est pas neutre, c'est jusqu'à 800 euros, au même titre que les touristes. Les montagnards le ressentent comme un dessaisissement de leur propre territoire, de leur propre montagne, de stations qu'ils ont eux-mêmes contribué à créer. Et j'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous comptez faire en tant que DSF sur cette question. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour le groupe La France Insoumise, Madame Charlotte Leduc. Oui, merci Madame la Présidente. Merci beaucoup pour cette audition. La question de la durabilité du modèle économique et écologique du secteur doit être posée face au dérèglement climatique et notamment à la fonte des glaces à moyenne altitude. Le secteur du ski repose de plus en plus sur la neige de culture, dont la production consomme énormément d'énergie. Et cela pose aussi la question de la ressource en eau, puisque ce sont 25 millions de mètres cubes d'eau qui sont transformés en neige de culture. Le ski de masse n'est plus durable, mais des possibilités de reconversion crédibles existent pour les entreprises de la filière. Rappelons que le ski reste accessible à une petite partie de la population. C'est environ 20% de la population qui pratique le ski régulièrement. Et ces dernières années, ce sont seulement 10% des Français qui ont pu prendre des vacances en hiver. Le goût des Français pour la montagne est cependant réel, donc il est possible de faire évoluer la filière et même indispensable. J'aurais plusieurs questions. Pouvez-vous nous donner le montant global investi par les professionnels de votre secteur dans la diversification de leurs activités et comparer ce montant avec les investissements réalisés dans la production de neige de culture et quelle part de ces deux activités est financée sur fonds publics? Et puis, je voulais prendre l'exemple de la station de Métabier dans le Doubs qui envisage la sortie du ski alpin à l'horizon 2030-2035 et qui fait figure de pionnière en la matière.
Elle développe des activités alternatives et économisera à terme les coûteux investissements nécessaires à la production de neige de culture. Est-ce que ce n'est pas un exemple à suivre pour l'ensemble des professionnels de votre filière ? Et puis une troisième petite question, comment vous évaluez l'effet de la réforme de l'assurance chômage sur les salariés de votre activité, puisqu'ils sont cette réforme impacte très fortement les travailleurs saisonniers, et notamment dans ce contexte de crise de l'énergie. Merci. Merci beaucoup. Pour le groupe démocrate, Marina Ferrari. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Président Molin, merci d'avoir accepté cette invitation à être auditionnée aujourd'hui. Je remercie Madame Bonivard également, puisque c'est pour les territoires de montagne que je représente aujourd'hui, important de reconnaître l'économie du ski qui, quand on est en Savoie, représente 50% de notre produit intérieur brut. Alors moi, c'est une question en deux temps. D'abord, un retour sur, non pas pour regarder derrière, mais pour voir comment on va relancer la machine, un bilan du quoi qu'il en coûte, notamment y a-t-il des difficultés aujourd'hui par rapport au PGE à venir. Et puis, un soutien à l'investissement. C'est vrai que la crise a bloqué l'investissement. Comment aujourd'hui se porte l'investissement dans les remontées mécaniques? Un deuxième focus qui est en lien avec les problématiques foncières. Monsieur Roseren l'a évoqué sur la problématique du logement, qu'il soit permanent, saisonnier ou touristique. On a aujourd'hui un parc immobilier qui est vieillissant. Nous sommes en zone tendue, vous l'avez rappelé, chers collègues, avec des problématiques pour loger nos habitants. Alors, on a parlé de mesures incitatives à destination des saisonniers, vous l'avez évoqué. Quelles mesures incitatives au niveau fiscal envisageriez-vous, notamment pour l'habitat permanent et également pour l'habitat touristique, je pense notamment à des dispositifs qui sont éteints, qui étaient intéressants, comme les villages résidentiels de tourisme. Et puis le dispositif MaPrimeRénov, aujourd'hui qui n'est pas accessible aux résidences secondaires. Faudrait-il créer un dispositif ad hoc pour pouvoir aujourd'hui, alors peut-être avec des conditions différentes, plus restrictives, mais pour pouvoir remettre sur le marché immobilier et de logement un maximum de lots. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour le groupe socialiste, Marie-Noëlle Battistel. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Tout d'abord, merci de m'accueillir dans votre commission. Ce n'est pas une habitude, mais je n'ai pas pu résister à une audition sur la montagne, étant donné ma circonscription. Merci beaucoup, Monsieur le Président de DSF et Madame Bonivard, pour cette initiative. Alors, beaucoup de questions ont été posées, mais je voulais revenir sur deux ou trois points, notamment sur la question des villages de vacances. Vous l'avez dit, Madame la députée, Madame la rapporteure, qui ont été créés tout d'abord avec les villes communistes dans un objectif d'accès au plus grand nombre. Un certain nombre de centres connaissent des difficultés importantes et je crois qu'il y a aujourd'hui nécessité de les soutenir. Et certains de vos adhérents, Monsieur le Président, investissent aujourd'hui dans des résidences de tourisme pour justement limiter la production de lits froids. Est-ce que vous pouvez nous dire la proportion de vos adhérents qui s'engagent sur ces investissements? J'en inaugurais une il y a seulement deux jours dans la station de Auris en Oisans. Sur la question de la pluriactivité, de la saisonnalité, est-ce que vous considérez que les dispositifs législatifs actuels sont suffisants pour assurer la durabilité de ces emplois? Peut-être sur la question de l'adaptation de votre activité au changement climatique, vous l'avez expliqué, vous êtes engagé sur des éco-engagements il y a déjà plusieurs années, sur des plans de sobriété énergétique, et on voit combien cela est important aujourd'hui avec le coût de l'énergie. Il y a également la question de la ressource en eau qui a été évoquée par d'autres collègues, et je voulais que vous puissiez nous faire un retour peut-être sur les schémas de conciliation de neige de culture qui sont portés par un certain nombre de sages, et notamment la clé Drac-Romanche que j'ai l'honneur de présider, et qui visent à établir la ressource en eau sur les différents massifs, sur les différents versants, pour essayer de faire une cartographie à la fois pour cette préservation de la ressource et pour organiser vos investissements. Et puis j'avais également une question sur le financement de la rénovation des remontées mécaniques. Un certain nombre d'opérateurs nous font part de leurs difficultés d'obtenir des financements, alors que
Les nouveaux équipements permettent d'en supprimer de nombreux, ça on oublie assez souvent de le dire, puisque un télémix, par exemple, va enlever deux télésièges, des tas de téléskis, et donc de restituer à la nature un périmètre important. Et ces équipements sont également beaucoup moins énergivores. Donc, est-ce que vous avez aussi des retours en ce sens? Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour le groupe Horizon, Monsieur François Jolivet. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur. Trois séries de questions. Les crises dans notre pays s'enchaînent et j'ai bien compris que la crise Covid avait été accompagnée fortement et on doit ça sans doute à notre collègue Joël Giraud, alors membre du gouvernement. Je voudrais le remercier. Pour autant, là, une crise énergétique existe et je souhaiterais savoir si tous vos adhérents qui sont sur la ligne de départ, comme vous l'avez dit, sont prêts à affronter cette deuxième crise. Ensuite, quel est selon vous l'avenir des domaines skiables et de leurs opérateurs lorsqu'ils sont en zone de montagne peu élevée? Et vous avez par ailleurs indiqué que 80% des nuitées de la zone de montagne étaient l'hiver et que 20% seulement étaient l'été. Je souhaite savoir, dans votre mission d'expertise, si on doit parler d'avenir, comment vous pensez qu'il pourrait être développé l'attractivité de la zone de montagne en période estivale, puisque vous avez parfaitement bien démontré que le tourisme était la pierre angulaire de l'économie territoriale et permettait de conserver ses habitants. Et je souhaiterais vous entendre sur cette vision d'avenir. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Pour le groupe écologiste, Eva Sas. Le micro, monsieur Jolivet, s'il vous plaît. Merci. Merci, Madame la Présidente. J'aurais pour ma part deux questions. Tout d'abord, vous avez dit que vous aviez adopté 16 éco-engagements. Donc, pouvez-vous détailler les objectifs en termes d'impact carbone et en termes d'impact sur les ressources, notamment la ressource en eau, ainsi que les moyens mis en œuvre pour y arriver? Deuxième question, vous dites qu'il y aura encore de l'enneigement en 2050, mais parlez-vous bien d'enneigement naturel? En particulier, quelle est votre appréciation sur la question des retenues collinaires, comme celle qui était prévue à Laclusa et qui devait coûter 10 millions d'euros et stocker 148 000 mètres cubes d'eau, avec un impact sur la ressource en eau et sur la biodiversité? Je rappelle que ce projet a été suspendu par le tribunal administratif pour son impact environnemental. Ce type de projet est-il amené à se multiplier, sachant que d'ici 2050, la moitié du manteau neigeux environ aura fondu dans les Pyrénées et dans les Alpes? Et quelles sont les autres pistes d'adaptation envisagées pour l'avenir des stations de ski? Merci beaucoup. Pour le groupe gauche démocrate et républicaine, M. Jean-Marc Tellier. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure spéciale, Monsieur le Président des Nomens skiables, bon, j'avais plusieurs questions, je ne vais pas forcément répéter. On a parlé du foncier, je voulais en parler. On a parlé des questions d'enjeux climatiques, je voulais en parler. Bon, je passerai ces questions, même si je crois qu'on mesure ensemble l'impact économique et sur l'emploi que peut avoir l'activité skiable. Moi, je voudrais revenir sur, vous avez fait remarquer que pour certaines stations, le coût est très cher et supporté par les collectivités locales et ce que moi j'appelle les stations familiale. Donc, vous nous donnez de perspective jusqu'en 2050. Ma question, c'est quel avenir pour ces stations qui ont aussi, à mon avis, un rôle sur l'activité du ski. Et puis, je vais revenir, mais avant tout, remercier ma collègue d'avoir précisé le rôle des villes communistes sur la question du ski. Et moi, je crois que c'est un enjeu qu'il faut qu'on se pose la question autant qu'on vous la pose à vous, mais qu'on se la pose aussi en tant que parlementaire. Puisque ça va au-delà de l'activité du ski, je crois qu'il faut qu'on se pose la question sur l'enjeu des vacances, l'enjeu des centres de vacances pour nos enfants. Il y a quelques décennies en arrière, c'était 3 millions d'enfants qui partaient en vacances, en centre de vacances. Il y en a, quand je dis 1 million, je ne suis pas sûr de moi, je crois qu'il y en a une tête en dessous. Donc c'est un enjeu qu'il faut qu'on se pose ensemble, l'accès aux loisirs pour nos gamins des quartiers populaires et l'accès au ski, vous l'avez dit vous-même, 80% des gens qui ont l'occasion d'aller l'hiver au ski y retournent et souvent convainc la famille à y retourner. Et puis je crois que c'est normal que cette activité soit accessible à tous. Donc est-ce que dans votre activité, ça fait partie aussi de vos préoccupations et quelle action vous mettez en place, parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, malheureusement, ces centres de vacances qui ont été créés par beaucoup de communes, il n'y en a plus beaucoup, ou deviennent inaccessibles aussi. Voilà.
Merci beaucoup. Pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, Monsieur Michel Castellani. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, je vous poserai une seule question qui me semble fondamentale, celle de la perspective à terme de vos activités. On sait que beaucoup de stations arrivent à saturation en période de pointe, et sauf en cas de crise majeure, que nous ne souhaitons pas, bien sûr, la demande devrait logiquement augmenter à terme, ne fût-ce que par l'augmentation de la population. Comment répondre à cette demande ? Faut-il de nouvelles stations ou comment faut-il ouvrir de nouvelles pistes ou comment résoudre le problème du foncier, alors qu'on sait déjà que les contraintes sont extrêmement fortes. Et donc, in fine, comment faire coexister cette perspective de développement avec la nécessité de préserver le domaine naturel ? C'est une question de fond. C'est une question à laquelle nous, en Corse, nous sommes confrontés, pas tellement en montagne, mais sur le littoral. Mais la problématique de fond est la même. Et finalement, ce que je pose ici, c'est la question de la croissance longue qui se pose à toute activité humaine. Merci. Merci beaucoup. Nous en avons terminé avec les interventions de chaque groupe, de chaque orateur. Donc, je vous donne la parole, Monsieur le Président, et nous aurons ensuite des questions d'autres orateurs. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Vous vouliez que je revienne sur la typologie des exploitants. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la moitié des exploitants sont des formes publiques de sociétés, donc des régies, des SPL, et l'autre moitié sont des exploitants privés, des SEM ou des SA ou SAS, comme on peut connaître, ou des SARL. Effectivement, notre plus gros exploitant fait plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est la Compagnie des Alpes, dont la Caisse des dépôts est le principal actionnaire. Et on va jusqu'au plus petit. Mais entre les deux, on a beaucoup de stations très différentes. Effectivement, les stations les plus importantes sont majoritairement exploitées par des exploitants privés qui ont un contrat et qui versent une redevance aux communes et la taxe loi montagne, qui est une taxe spécifique de la loi montagne de 1985. Et après, quand on va dans des plus petites exploitations, on retrouve beaucoup plus d'acteurs publics qui soutiennent le développement de leur territoire, parce que s'il n'y avait pas d'intervention publique, le modèle économique n'est pas rentable. Quand on entend souvent dire qu'il y a des stations qui ont pu fermer, c'est souvent un ou deux téléskis, mais c'était pas le problème de l'enneigement, c'est le problème de l'activité économique qui n'était pas rentable et des communes qui n'avaient plus les moyens de soutenir, entre guillemets, cette activité territoriale. Sur les classes de neige, effectivement, c'est nos clients de demain, donc c'est l'une de nos plus grandes priorités. Enfin, quand on sort de crise, parce que quand on est en crise, malheureusement, on doit gérer des crises, mais c'est notre avenir. Et c'est notre avenir qui est important parce que, comme beaucoup ont appris à skier grâce à l'école, peu ont eu la chance des fois de partir enfant et de goûter à ce magnifique plaisir qu'est le ski. Il est important qu'on puisse conserver les centres de vacances, parce que les centres de vacances, souvent les communes ont arrêté parce que dans le budget ce n'était plus leur priorité, l'ont transféré à des acteurs privés qui continuent à gérer ces centres pour accueillir des classes de neige. Quand il n'y a pas un promoteur au passage qui est passé pour acheter la classe de neige pour construire un bâtiment à la place. Et moi, je préfère garder un bâtiment en classe de neige que d'avoir des appartements 4 étoiles à la place. Parce que ce n'est pas un problème de chiffre d'affaires, parce qu'une des questions était de savoir ce qu'on faisait pour les classes de neige. Aujourd'hui, les classes de neige, chez tous les exploitants, c'est le tarif le moins cher qu'on puisse trouver dans notre grille de tarifs. Parce qu'on doit soutenir, entre guillemets, ces personnes qui ont la chance de venir découvrir le ski grâce à ça. Aujourd'hui, un forfait classe de neige, c'est à peu près 70-75% de réduction par rapport au tarif public. Et tant mieux. Et c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, c'est des clients qui n'auraient pas pu venir. C'est la chance de faire découvrir. C'est de la solidarité à notre manière. Et je pense que si on va aussi chez les écoles de ski, c'est le tarif le moins cher qu'ils pratiquent. Et on est tous sur le tarif le moins cher pour ces clients. Et nous sommes heureux de les accueillir. Et voir des enfants qui n'ont jamais vu la neige arriver en station, en groupe, grâce à leur école, et avoir des sourires, des moments de rigolade. Et puis même, c'est excellent aussi pour l'intégration du groupe et aussi pour l'apprentissage. Parce que quand on explique la gravité à un enfant et qu'il est à plat, entre guillemets, dans la cour d'école, c'est beaucoup plus dur que quand on le met sur des skis qui se met à glisser parce que la gravité l'entraîne. Donc il y a aussi beaucoup de choses sur la nature, parce qu'on n'est plus sur des classes de neige, l'image, les enfants font du ski du matin au soir tous les jours. Il y a beaucoup de découvertes de la montagne, du milieu montagnard, de l'environnement dans les zones de montagne. Donc il est important, cette découverte du territoire, pour les enfants qui n'ont pas la chance de vivre dans ces territoires-là.
Sur la crise Covid, c'est vrai qu'on en a déjà beaucoup parlé, donc je vais peut-être passer au sujet suivant. Et le parc de remontées mécaniques, tout à l'heure, on me demandait le renouvellement du parc de remontées mécaniques. Bah, aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés. Nous avons été les premiers à avoir autant de dossiers en faveur de l'environnement à remplir, à compléter et autant d'autorisations à avoir, parce que où certains l'ont découvert ces dernières années, nous, ça fait plus de 15 à 20 ans qu'on travaille avec des dossiers très importants pour vérifier qu'on respecte bien l'environnement. Études d'impact, études 4 saisons, tout ce qu'on peut avoir, c'est plus de 1000 pages d'études sur l'environnement avant de faire les moindres travaux. Et c'est normal. On a appris à travailler avec. Hein. Il y a 20 ans, quand on décidait de construire une remontée mécanique, on décidait ça au mois de février. À Noël, on l'avait. Maintenant, en le décidant au mois de février, 2 ans plus tard, on a peut-être une chance de l'avoir. Mais ça nous a appris à travailler différemment. Ça nous a appris aussi qu'on est quand même sur des zones avec des enjeux particuliers, avec des espèces à protéger et qu'il fallait travailler beaucoup plus en adéquation. Nous avons des études sur la faune, la flore, sur la biodiversité. Nous avons des répertoires sur la biodiversité comme aucun territoire n'en dispose. Parce que nous avons tous opté, et les peu qui ne l'ont pas encore, s'ils sont engagés dans les éco-engagements de DSF, à avoir un répertoire de la biodiversité, un observatoire de la biodiversité sur le domaine skiable. Et je pense qu'il y a peu d'endroits où vous allez chercher, vous avez l'inventaire précis de toutes les espèces qui peuvent y avoir, ce qui nous permet aussi d'éviter d'aller créer un impact à ces espèces quand on le peut. Aujourd'hui, sur le bonus-malus dans la loi travail, c'est une vraie problématique. Parce qu'aujourd'hui, c'est par rapport à notre activité qu'on va se comparer. Et nous, nos concurrents à qui on va être comparés pour savoir si on doit payer le malus, parce qu'on n'aura pas de bonus, bah c'est la SNCF et la RATP. Donc autant dire qu'une carrière de 40 ans, il y a peu de gens qui ont des contrats courts et qui sont remis sur le marché du travail chaque année. Donc on est assuré de devoir payer ce malus. Il n'est pas du tout adapté, surtout quand nous avons, depuis 40 ans, c'est-à-dire bien avant la loi El Khomri, mis en place la reconduction automatique de nos collaborateurs pour les conserver, pour qu'ils aient un avenir et qu'ils sachent aussi auprès des banques aller faire valoir leurs droits qu'un saisonnier peut aussi emprunter, parce que ça, c'est une difficulté pour beaucoup de saisonniers, de ne pas pouvoir emprunter parce qu'ils n'ont pas un CDI. En France, aujourd'hui, des gens qui bossent depuis 20 ans dans deux entreprises, été, hiver, qui bossent 11 mois sur 12, on leur dit qu'ils n'ont pas le droit à un emprunt parce qu'ils n'ont pas de CDI. Je pense qu'il faut aussi qu'on regarde ces plus réactifs avec un œil particulier et un regard différent. C'est des gens qui sont stabilisés. Ce n'est pas l'image du saisonnier où, pardonnez-moi, souvent, dans l'esprit populaire, on voit des marginaux qui vivent dans des caravanes. Non, ce n'est pas ça, le saisonnier. On a des saisonniers, ils se dépêchent de finir la saison pour aller travailler sur leur employeur de l'été et ils se battent avec leur employeur d'été pour pouvoir revenir travailler l'hiver. Donc il y a tout type de saisonniers comme il y a tout type de personnes dans la population française. Donc nous sommes un échantillon de la population française sur des territoires spécifiques. Et j'en viens à la question qui m'a été posée sur l'assurance chômage. Nous nous battions déjà avant la crise Covid sur ces deux points, le bonus-malus et la réforme de l'assurance chômage, avec Joël Giraud d'ailleurs, on se battait avec la personne qui est le rapporteur aujourd'hui de la loi travail, pour faire valoir la spécificité de la saisonnalité. Et ben, j'entends toujours les mêmes arguments, et toujours les mêmes arguments qui sont faux. Quand on nous dit qu'il n'y aura pas de problème par rapport au malus ou que la réforme de l'assurance chômage, je suis un employeur, donc je suis plutôt à dire qu'il faut durcir, entre guillemets, l'assurance chômage par rapport à ce qu'elle était avant. Mais aujourd'hui, ils ont été trop loin, et surtout pour les collaborateurs saisonniers qui sont totalement exclus de la réforme, parce qu'il ne faut pas oublier que dans la spécificité, il y a toujours 1 ou 2 mois de creux quasiment entre deux contrats, et que quand on va calculer leur salaire journalier de référence, on va prendre tous les creux dans le calcul. Et donc aujourd'hui, on a des gens qui pourront être indemnisés beaucoup plus longtemps, mais avec des salaires qui seraient indécents, des indemnités qui seraient indécentes. Donc à moins de partir dans les îles et de toucher ça pour vivre beaucoup moins cher, ils ne peuvent pas vivre dignement du fruit de leur travail et des droits qu'ils ont acquis. Voilà. Sur la question des tarifs spéciaux, bah écoutez, on est les premiers impactés, mais on est le seul pays en Europe, qui a décidé de placer ses remontées mécaniques sous le régime de la délégation de service public. Donc, dans un service public, nous devons être égaux devant le service public, que nous soyons des locaux ou pas. Non, ce n'est pas la Cour des comptes, Madame la rapporteure, parce que à Saint-Sorlin-d'Arve, nous avions déjà été condamnés en 2001 sur ce principe-là. Et donc, nous étions déjà rentrés dans les clous et trouvés des systèmes depuis 2001. Il y a eu un choix politique qui a été fait de placer
nos activités dans des conventions de la montagne qui ont été, par la loi Sapin, ils sont devenus des services publics. Donc la problématique date de 1993 et aujourd'hui, moi dans mes stations j'avais dû le faire depuis les années 2000 parce que forcément on a été condamné. La mairie qui exploitait avant nous avait été condamnée pour discrimination tarifaire, parce que c'est de la discrimination tarifaire, les tarifs spéciaux. Derrière, en Haute-Savoie, le ménage a été fait il y a 5 ans et aujourd'hui ça touche beaucoup la Savoie et la vallée de la Tarentaise, où il y avait encore beaucoup de tarifs qui n'étaient pas dans les clous. Ce serait très bien qu'on puisse faire des tarifs pour les locaux. Ça, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, le cadre juridique nous l'interdit. Donc, nous, on le subit, parce qu'en plus, on passe pour les méchants, parce qu'on va devoir facturer des forfaits, et on ne cherchait pas forcément à avoir auprès de ces clients-là une augmentation. Partout, ce n'était pas gratuit. Il y avait des tarifs spécifiques, il y avait des avantages, et nous étions heureux de les faire. Mais après, ils sont hors la loi. Donc, on ne peut pas être hors la loi sciemment. En plus, quand ça a été rappelé par la Cour des comptes, quand ça a été rappelé par plusieurs notes de plusieurs préfets, il y a un moment, je pense qu'il faudrait avoir une vraie réflexion et un vrai groupe de travail au niveau national pour savoir comment on peut adapter ou avoir des souplesses, ou peut-être, ce que je plaide depuis plusieurs années, un système concessif qui ne soit pas un service public de transport. Parce que le problème vient du fait qu'on soit un service public de transport. Sur la durabilité de nos pratiques, alors ça m'aurait étonné qu'on ne nous interroge pas sur la neige de culture. Effectivement, ça consomme de l'électricité. Mais quand on prend le bilan carbone d'un séjour au ski, l'activité ski, c'est entre 2 et 5% du bilan carbone du touriste qui vient à la montagne. Dans ces 2 ou 3%, la neige de culture, c'est à peu près 25% de la consommation d'électricité. Électricité qu'on a en France la chance qu'elle soit extrêmement décarbonée. Donc oui, ça consomme de l'électricité, mais sur le séjour, c'est moins de 1%, entre guillemets, du bilan carbone d'un client. Et sur l'eau, et je pense que la présidente de la CLEP présente Drac Romanche, avec qui je travaille sur mes stations, justement parce que je suis dans son périmètre, pourra confirmer mes dires. On n'est pas, on va pas jeter des pompes dans un ruisseau pour prendre de l'eau de manière brutale ou sans aucune autorisation. Nous ne sommes pas un usage prioritaire de l'eau. Nous passons après tout le monde. Nous avons des autorisations. Nous avons un cadre créé, et quand on prend sur le territoire l'eau qui est empruntée pour faire de la neige de culture et qui est restituée quand la neige refond, parce que l'eau elle repart, c'est pas, elle se transforme pas, elle part pas, on change pas la molécule de l'eau, une fois qu'elle dégèle, elle repart d'où elle vient, et ben c'est moins de 1% de l'eau du territoire, donc c'est une part très infime. Et aujourd'hui, j'ai entendu parler de la retenue de la Clusaz. Sur la retenue de la Clusaz, oui, je pense que les retenues sont nécessaires. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'eau au mois de novembre, décembre et janvier, qui sont les étiages sur nos territoires. Autant l'étiage dans les plaines, c'est plutôt pendant l'été, quand il manque d'eau. Et ben nous, la période d'étiage pour les ruisseaux, et où on crée le plus d'impact en prenant de l'eau, c'est plutôt pendant les périodes automne-hiver, parce que justement, l'eau qui tombe sur le territoire, elle tombe en neige. Et puisqu'elle tombe en neige, elle ne coule pas dans les ruisseaux. Donc, en créant une retenue, on peut prendre l'eau quand elle est en surabondance, c'est-à-dire au moment de la fonte des neiges, à un moment où on baisse le niveau des lacs pour pouvoir accepter toute cette eau qui arrive. On ouvre toutes les berges sur le Rhône pour que l'eau file le plus rapidement à la Méditerranée. Et donc, c'est de l'eau qui va être salée au bout du compte. Donc, à un moment, si on arrive à prendre l'eau à ce moment-là pour la restituer au même moment l'année d'après, on diminue notre impact. Donc, effectivement, quand on crée, comme toute création humaine, il y a un impact environnemental, on l'assume. Il faut qu'on le travaille dans la séquence ERC, éviter, réduire, compenser l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement. C'est nécessaire et c'est vital. Mais on doit pouvoir aussi continuer à travailler. Donc oui, nous allons continuer à produire de la neige de culture. Ce n'est pas quelque chose qui plaît à tout le monde, je l'entends tout à fait, mais ce n'est que de l'eau qui est projetée dans de l'air froid. On fantasme souvent sur des blocs de réfrigération de l'eau, sur des produits qu'on mettrait dedans, mais aujourd'hui, quand il ne fait pas froid, on ne produit pas de neige. Ce n'est pas, c'est pas demain on appuie sur un bouton et ça marche. On travaille avec la météo. On voit les périodes de froid. Plus il fait froid, meilleure sera la qualité de la neige, moins on consommera d'électricité. Et donc, on s'adapte au jour le jour. On fait des choix de produire à telle date ou de ne pas produire à telle date. Donc, c'est extrêmement important. Et après, puisqu'on est sur ce sujet-là, j'ai entendu parler de Métabier. Métabier qui a fait justement l'étude Climsnow et qui, dans le pire des schémas, ne pourra plus faire de ski en 2035. Donc, ils n'ont pas décidé d'arrêter le ski. Et ça, il faut être très clair. Ils ont décidé d'arrêter
d'investir dans la structuration du domaine skiable. C'est-à-dire qu'ils ne renouvellent plus leur remontée mécanique. Par contre, ils viennent d'investir 4 millions pour continuer à faire vivre celle qu'ils ont. Donc, voilà, il faut se méfier des effets de com' de certains qui profitent parce qu'à partir du moment où ils ont eu cette communication, tout le monde est arrivé en disant « Vous voulez combien de subventions pour arrêter le ski ?» Donc, à un moment, ça a fait plaisir à l'administration, ça a fait plaisir à certains lobbies anti-ski, mais la réalité n'est pas là. Du coup, le maire, se rendant compte de son erreur, a été poussé à la démission par la population. Et c'est l'ancien maire d'avant qui est revenu aux manettes et qui n'est pas du tout sur la même ligne que son prédécesseur qui avait annoncé ça. Donc il faut aussi se rendre compte. Et dans une étude Climsto, pour bien voir que chaque station est différente, la station d'à côté, qui a 50 mètres d'écart en altitude, sur le pire des scénarios du GIEC, on lui donne 25 ans de viabilité économique de plus que sa voisine de Métabier. Donc il ne faut pas se dire les stations à telle altitude seront mortes. L'orientation, quelques mètres d'écart, change énormément de choses. Entre un domaine qui est orienté à l'est et un qui est orienté au sud, vous n'aurez pas du tout la même viabilité. Il faut voir, c'est de la couture très fine d'essayer d'imaginer le climat et la durabilité de nos activités. C'est territoire par territoire, station par station, voire piste par piste. Cet outil est précieux parce qu'il nous permet aussi de dire nos investissements dans le futur, on doit les mettre à tel endroit et pas à tel endroit. Et on doit réfléchir plus intelligemment sur notre avenir. Oui, alors quand on prend aussi le volume que vous avez évoqué, qui est important, il est moins que les fuites de la ville de Marseille, du réseau d'eau. Nous, on perd 0 g d'eau parce que, 1, on l'achète, 2, on doit y faire attention, et 3, on en a besoin. Nos réseaux, dès qu'il y a une fuite, on va le réparer. Quand on voit la ville de Marseille, perd plus d'eau que ce que nous, on utilise et qu'on restitue à la nature. Donc, il y a un moment, on doit tous faire des efforts sur l'eau. Et quand on nous a interrogé tout à l'heure sur tous les domaines skiables, et quand on nous a interrogé tout à l'heure sur nos éco-engagements, ben, en faveur de l'eau, on a tous mis sur nos engins qui surfacent les pistes tous les jours, les dameuses, on a pris l'engagement que toutes les stations installent des GPS sur la lame des dameuses pour connaître exactement la hauteur de neige. Et ça nous a permis, dans les stations qui l'ont déjà mis en place, de réduire notre emprunt en eau et donc aussi le bilan carbone de la production de neige de 15 à 20%. Après, puisqu'on est sur ce sujet-là, nos engagements en faveur du bilan carbone, ils sont, un, d'arriver à le réduire totalement pour 2037, c'est-à-dire le ramener à zéro. Pour ça, il faudra de l'évolution technologique, parce que 90% de notre bilan carbone d'un domaine skiable, aujourd'hui, c'est le damage des pistes, parce que nos engins tournent au gasoil, et qu'on sait que le gasoil est très émetteur de CO2. Donc, sur ce sujet-là, un, on veut aller sur la neutralité carbone. Et en attendant, on forme nos collaborateurs à l'éco-conduite sur les dameuses, qui permet de réduire de 10% la consommation. On travaille justement avec ces outils de GPS qui nous ont permis aussi de réduire le nombre de surpasses. Hein, quand on doit faire quelque chose plat, on avait tendance et on a réduit à peu près de 5 à 10%. Donc on a un objectif pour toutes les stations de réduire à 20% tout de suite, en attendant que la technologie, que ce soit la batterie ou l'hydrogène, nous permette de neutraliser totalement nos émissions. Il a été interrogé aussi sur le logement, le développement du logement pour les permanents. Oui, c'est quelque chose d'important. Et ça, je pense qu'il faudrait, pour les territoires en tension, hein, parce qu'il n'y a pas que les territoires de station, je pense qu'il y a d'autres territoires qui sont en tension sur les possibilités immobilières, il faudrait créer un zonage à la main des maires pour qu'ils aient la possibilité de pouvoir dire qu'ils réservent telle ou telle partie de leur PLU pour telle ou telle destination. Mais pas qu'au bout de 3 ans, la personne qui a eu un terrain qui a été donné à un prix avantageux le revende en faisant une plus-value et pour que ça devienne autre chose. Après, on a souvent développé, oui, comme beaucoup de zones touristiques, le logement touristique grâce à des avantages fiscaux qui étaient donnés aux particuliers qui achetaient. On doit en remercier les initiateurs, dont un excellent député savoyard, Michel Bouvard, qui a été à la manœuvre sur beaucoup de dispositifs. Mais je pense que demain, on doit continuer à aider, mais ça doit être les locaux qui doivent investir dans l'outil de travail de leur territoire, parce que les lits, c'est l'outil de travail. C'est un peu comme le réservoir. Si on n'a pas le réservoir, on ne peut pas avancer derrière. Donc là-dessus, il faudrait que ce soit les acteurs locaux qui soient incités, au travers, personnellement ou au travers de leur entreprise, à devenir les propriétaires d'un bien commun qui sont les lits touristiques sur le territoire. Ça éviterait qu'au bout de 10 ans, ces lits ferment, mais qu'on parle de dire, bah, puisqu'ils ont fermé, il faudra en recréer d'autres. Si on veut que demain, le peu qui reste à construire, on le construise intelligemment et qu'il reste un outil de travail pour plusieurs décennies, il faut que ce soit les locaux qui investissent dans des sociétés communes pour que
des foncières locales, oui, société foncière, le choix de l'outil peut être divers, mais on a un vrai besoin d'accompagner, ou que, entre guillemets, le compte courant qu'ils mettent dans ces foncières, ils puissent l'amortir dans le bilan de leur société, pour que, voilà. Et puis l'avantage, c'est que si ça reste dans la société, même si la société est revendue, ben, on va garder les parts plutôt que de les revaloriser pour sa retraite. C'est vraiment, il faut que ce soit un outil de travail du territoire très important. Et autrement, il y a un sujet aussi sur la rénovation, parce qu'on en a peu parlé, c'est la rénovation des hébergements qui ont été créés dans les années 50, 60, 70, qui sont des vraies passoires thermiques, on le sait. Mais où il y a une vraie problématique, c'est que, vu que c'est des copropriétés de 10, 20, 30, 50, 100, 200 appartements, il est impossible aujourd'hui qu'un propriétaire qui veuille puisse se mettre à la rénovation. Donc il faudrait qu'il y ait peut-être quelque chose d'un peu plus contraignant pour les copropriétés, pour que l'ensemble soit obligé de rénover. Et il y a un moyen aussi qui permettrait d'inciter les volets clos à réouvrir leurs volets et remettre leurs appartements en location. En contrepartie de cette contrainte, pour les personnes qui louent des hébergements touristiques, ils bénéficient du BIC dans leur déclaration fiscale, qu'entre guillemets, il y a un suramortissement de la rénovation énergétique au sein du BIC pour permettre demain, ben, en contrepartie d'une obligation, d'avoir un retour intéressant pour ceux qui feront cet effort-là. Et d'ailleurs, on a entendu tous le ministre Klein, il y a 15 jours, lors d'une réunion, nous dire que les passoires thermiques touristiques allaient être soumises à la loi climat. Non, il avait été prévu... Pardon. Désolé, je suis trop long, mais il y a tellement de sujets à dire. Pardonnez-moi. Il s'est trompé parce que la loi climat ne s'applique que pour les logements qui sont loués plus de 4 mois. Voilà, donc c'était une erreur et aujourd'hui c'est du législatif, donc c'est vous qui décidez des évolutions de la loi climat. Et je pense que j'ai fait à peu près le tour en répondant aux uns et aux autres, parce que forcément il y avait beaucoup de remontrances. Et je vous remercie de votre écoute. Très bien, merci beaucoup Monsieur le Président pour les réponses à ces questions, effectivement sur beaucoup de sujets. Nous avons quelques orateurs qui sont inscrits, j'ai Joël Giraud et Benoît Mournet. Est-ce qu'il y a d'autres orateurs après? Très bien. Alors Joël Giraud. Merci Présidente. Quelques remarques et une question. Première remarque, mais elle s'adresse à l'ensemble des commissaires aux finances. Je pense qu'il serait utile qu'on fasse effectivement un peu de nettoyage sur le FCTVA s'agissant des investissements que je qualifierais de productifs. Productifs pourraient être productifs au sens social du terme, puisque la non-éligibilité au FCTVA de la construction d'immeubles pour loger des saisonniers fait partie des choses qui sont, qu'il faut absolument résoudre. Et ça permettrait une bonne fois pour toutes d'avoir ce débat, parce qu'il y a des gens qui veulent du FCTVA sur du fonctionnement, ce qui est une connerie monumentale. En revanche, sur de l'investissement social, c'est intelligent. Simplement, je vais être très rapide sur le reste, puisqu'il n'y en a qu'une minute. Sur les tarifs, bon, vous avez bien expliqué où étaient les tarifs à Rennes et ce qu'ils représentaient. Je crois qu'honnêtement, l'augmentation des tarifs risque de faire voler en éclat le modèle économique et qu'il y a des stations qui sont des stations aujourd'hui qui faisaient le petit équilibre et pas le grand équilibre qui vont se retrouver dans une situation de ne faire ni l'un ni l'autre. Moi, ce que j'aimerais vous entendre dire, c'est les négociations que vous menez solidairement, parce qu'il y a des stations qui se sont pris les augmentations déjà, d'autres qui ne se les sont pas prises, solidairement, pour faire en sorte que les choses soient un petit peu régulées au-delà de, je dirais, de ce que fait le gouvernement. Le bouclier énergétique, qui est l'amortisseur électricité, qui, je le rappelle, a été étendu aux régies de remontée mécanique à notre demande, puisque ça posait un énorme problème pour les stations les plus fragiles. Mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait aussi une action déterminée de domaine skiable de France pour faire en sorte que les choses aillent mieux sur ce plan-là. Moi, j'ai regardé la facture d'énergie d'une station comme Puy Saint-Vincent, plus à côté de chez moi. Leur facture de décembre représente la facture qu'ils avaient pour l'intégralité de la saison de ski. Autant dire que le modèle économique, là, il n'y en a plus. Donc quel est le levier d'action et le lobby que vous pouvez mener là-dessus pour pouvoir faire en sorte que nous puissions ensemble résoudre ce problème? Merci beaucoup, monsieur Benoît Mournet. Il y a un petit problème de micro, s'il vous plaît. Micro. Voilà. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente et merci à Madame la Rapporteure spéciale pour cette initiative. C'était très intéressant. Je me réjouis que l'économie quand même des stations se porte bien. Je crois qu'il y a une hausse de 7%
en vue sur la saison à venir. Et je voudrais revenir également sur le sujet de la crise énergétique et de ses conséquences. Nous nous réjouissons que, effectivement, le gouvernement nous ait entendu sur l'intégration des régies dans l'amortisseur électricité. Il faut savoir que des stations, alors moi je suis des Hautes-Pyrénées, par exemple comme Cotteret ou tout le réseau de la compagnie des Pyrénées, il fallait qu'ils se décident en 6 heures de temps à 600 euros le mégawattheure, donc pris à la gorge par des distributeurs d'électricité pourtant, donc certains quand même, on peut dire publics. Et donc l'État prend sa part, mais y a-t-il quand même, est-ce que vous avez une vision que vous pourrez nous partager sur l'ensemble du territoire national, sur le respect de la charte des énergéticiens? Parce qu'on a l'impression que d'une station à l'autre, il y a eu quand même des négociations bien différentes. Et deuxième question, est-ce que vous pouvez nous partager quelques bonnes idées de sobriété énergétique qui peuvent être pratiquées, sur ralentir les remontées mécaniques ou autres sur les stations? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Sébastien Rome. Le micro, s'il vous plaît. Ah, c'est bon, ça y est, merci. Merci, Madame la Présidente. Non, je voulais revenir sur le foncier et les retours d'expérience que vous avez sur le bail réel solidaire qui commence à être déployé dans vos zones avec les foncières. Donc, je voulais savoir quels étaient les effets sur le prix au mètre carré. Si les effets sur l'accessibilité correspondent bien à ce qui était attendu, le lien avec la rénovation aussi qui est fait. Donc je pense que c'est une expérience extrêmement intéressante qui devrait nous donner à penser au sein de la commission sur le fait de pouvoir l'étendre à d'autres territoires qui ont d'autres problématiques, à un territoire tendu, c'est le cas, mais aussi, je crois, dans le territoire que je connais bien, qui sont ceux des sous-préfectures, donc qui ne sont pas soi-disant tendus, mais qui ont des enjeux de rénovation extrêmement importants et de relocalisation de la population. Donc voilà, donc j'aimerais que vous puissiez avoir ce retour sur le bail réel solidaire. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Paul Mattei. Oui, Madame la Présidente, merci. Merci pour cet exposé qui nous fait rêver et puis qui est de saison, qui nous donne envie d'aller skier. Mais plus sérieusement, au niveau des investisseurs, entre les investisseurs privés et les investisseurs publics ou semi-publics, comment voyez-vous l'évolution? Parce qu'il me semble, moi, qu'à terme, on aura de plus en plus d'intervenants publics plutôt que privés. Est-ce que la montagne intéresse encore des investisseurs privés par rapport au modèle économique? Ensuite, et c'est lié à ma première remarque, vous avez l'air d'avoir abandonné l'idée des quatre saisons. Je suis un peu... Vous dites que ça ne marche pas ou c'est compliqué. Moi, je pense que, justement, l'investissement public serait encore plus acceptable et légitime si on avait une réflexion de quatre saisons. Et est-ce que c'est complètement abandonné? Est-ce que la montagne, c'est quand même un milieu où, lorsqu'on n'a pas l'habitude de marcher, de monter, est-ce qu'on ne pourrait pas adapter les remontées mécaniques à aussi les déplacements de certains en haute montagne à travers des remontées mécaniques? Parce que ce n'est pas évident d'aller prendre un télésiège et autres par rapport à ça. Et puis moi, qui connais le monde du ski depuis très longtemps, et notamment le monde associatif et les associations qui menaient. Est-ce qu'il n'y a pas une action à mener pour essayer de redynamiser un peu ces mercredis à la neige, c'est toute cette... qui a un peu baissé, me semble-t-il. Moi, j'ai connu... Il y avait un vrai engouement et qui permettait à toute une population d'accéder au ski. Est-ce qu'il n'y a pas une action à mener vis-à-vis du monde associatif, et notamment à travers la Fédération française de ski et autres? Je pense qu'il y a... On a vraiment baissé en dynamisme à ce niveau. Merci. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres orateurs. Non. Donc, Monsieur le Président, je vous laisse répondre à ces questions et ces réflexions, suggestions. Bon, je vais essayer de faire vite. Oui, effectivement, il faut qu'on arrive à relancer la pratique du ski chez les plus jeunes qui sont du territoire. Et pour ça, les régions, les départements, selon les départements et selon les régions, accompagnent et aident à payer le transport. Nous, on a des tarifs spécifiques pour des classes de découverte, un peu comme les classes de neige, où nous pouvons appliquer des tarifs très spécifiques pour que ces jeunes viennent.
La Fédération française de ski a perdu des adhérents, mais aujourd'hui, il faut qu'on la fasse briller, qu'elle remonte et qu'elle soit un vecteur d'apprentissage du ski. Et puisqu'on en était sur les régions et départements, tout à l'heure, j'avais une question sur l'accompagnement des dispositifs et des subventions. Donc, dans notre investissement, et on est déjà très heureux, mais ça représente à peu près 4 à 5% sur l'ensemble de nos investissements, les accompagnements que nous avons des pouvoirs publics. Et on en est extrêmement heureux parce que pendant longtemps, beaucoup de régions et beaucoup de départements ont carrément oublié d'accompagner, de traiter et de développer les stations de montagne. Après, on n'a pas abandonné le 4 saisons, mais est-ce que c'est aux opérateurs de domaine skiable de faire toutes les activités ? Je vous prends un exemple sur le territoire sur lequel j'ai la chance de travailler. On a sorti le plus gros plan de développement 4 saisons de la montagne européenne. Et les élus, certains se posent encore la question, est-ce que c'est à l'exploitant de domaine skiable de se lancer là-dedans ? Donc, il y a des cas locaux qui font que ben, c'est possible ou ce n'est pas possible. Après, je ne vais pas pouvoir répondre sur le bail réel solidaire parce que je ne le connais pas, donc je ne vais pas parler de choses que je ne connais pas. Par contre, on a une vraie difficulté parce que comme tout employeur, nous contribuons à 1% logement et le 1% logement, on n'a pas le droit de louer à des saisonniers. Donc, on demande à pouvoir conserver ce qu'on donne à Action Logement et s'engager à investir dans les lits ou la rénovation des lits pour nos collaborateurs. À un moment, si on ne nous aide pas, on est prêt à céder nous-mêmes. Voilà, il y a des dispositifs comme ça qui peuvent être mis en place. Et les bonnes idées de sobriété, bah écoutez, c'est de l'éco-conduite, hein, comme on ferait avec une voiture et des bus. Donc ça marche avec des dameuses, ça marche avec les remontées mécaniques en adaptant la vitesse en fonction de la fréquentation, ce qui nous permet aujourd'hui, encore une fois, de gagner 10 à 15% d'électricité. Il y a beaucoup de choses et on essaie de faire nos mesures de sobriété sans que les clients s'en rendent compte. Et après, pour la question la plus importante qui est l'électricité, bah, le lobby qu'on peut faire, c'est pour qu'enfin, on ait un accord sur la décorrélation du prix du gaz et de l'électricité qui fera retomber les tarifs, parce que là, ça devient juste intenable. Oui, il y a beaucoup d'exploitants qui risquent, pas de mettre la clé sous la porte, mais qui risquent d'être en très grand déficit cette année, et si ça continue derrière, de déposer le bilan, effectivement. Et après, quand on parlait des énergéticiens, bah, effectivement, cette année, on avait 6 heures. Quand on nous proposait un tarif à 10 heures, il fallait qu'à 17 heures, on ait pris nos décisions, sinon, ce n'était pas possible. Donc, avec des augmentations. Non, il n'y a pas eu de bons élèves, ils étaient tous dans la même difficulté, prix du marché, on fait une proposition le matin, le soir, vous devez avoir validé. Ce qui a été extrêmement compliqué parce que moi, j'ai refusé un contrat au mois de janvier l'année dernière, trop haut, j'ai refusé en mars. En mai, ça avait encore augmenté, mais je me suis dit qu'il fallait peut-être arrêter les bêtises à un point où on savait le coordonner. Mais ça mange une partie extrêmement importante de nos marges. Et oui, si on arrive, et puis dans ces cas-là, il faudra peut-être que les énergéticiens enlèvent la clause de renégociation parce qu'une fois qu'on aura eu la décorrélation, je rappelle quand même que EDF demande 75 000 euros par mois où on ferait une rupture anticipée du contrat. Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut représenter s'il y avait une baisse des tarifs, la renégociation d'un contrat. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour l'ensemble de ces réponses. Et effectivement, vous terminez par un sujet d'actualité qui nous préoccupe, nous députés, et qui préoccupe l'ensemble du monde économique et du monde touristique. Merci beaucoup pour votre intervention. Voilà, nous allons changer de sujet et poursuivre l'ordre du jour. Mais je vais redonner la place à notre président. Est-ce que Sébastien Chenu pourrait venir à côté de moi ? Merci. C'est pour la DG. Okay. Il n'y a pas d'amendement ? Si, il y en a 6. D'accord. Monsieur Chenu ? Ouais. Là ? Ouais, bah, oui, voilà. En fait, quand on désignait
administrateur pour les missions d'information. Alors, ça y est, une leçon pour toutes. D'accord. On vient d'en informer, parce qu'il y en a, c'était déjà la semaine dernière. Ouais. Et on vient d'informer pour la dernière, qui était celle de M. Mattei, dont les sujets étaient les plus récents. D'accord. Donc, nous, on le sait aussi, vous m'avez parlé. Oui, j'ai dit à Léo hier, en fait. D'accord. Ok, très bien. Monsieur. Bon, chers amis, je propose qu'on continue. On va passer de la montagne aux ordures ménagères. Mais c'est un sujet sérieux. Absolument. Il y a aussi des ordures ménagères en montagne, d'ailleurs. Donc, notre ordre du jour appelle maintenant l'examen de la proposition de loi 583, modifiant le calcul de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et invitant le gouvernement à une refonte de la fiscalité locale qui est inscrite à l'ordre du jour de la journée de séance réservée au groupe Rassemblement national du jeudi 12 janvier 2023. Nous avons nommé la semaine dernière M. Sébastien Chenu, rapporteur de cette proposition de loi, à qui du coup je souhaite bienvenue dans cette commission. Nous allons pouvoir écouter son rapport. Sébastien Chenu, c'est à vous. Merci, merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Mattei, Monsieur le Ministre Giraud, Monsieur le Rapporteur Général, chers collègues, merci de m'accueillir dans cette belle commission des finances. Chers collègues, la proposition que je viens défendre ou exposer devant vous fait suite, en réalité, à l'écho que nous recevons tous, qui est celui de difficultés persistantes, s'aggravant, que rencontrent beaucoup de nos concitoyens avec une hausse de la fiscalité locale. La lourdeur de cette fiscalité locale, sa constante progression, amène beaucoup de nos concitoyens à avoir des difficultés à pouvoir, évidemment, la payer. Et c'est lorsque j'étais conseiller d'une communauté d'agglomération qui a inscrit une tome dans son programme et dans ses équilibres financiers que j'ai eu ces échos très récurrents de nos concitoyens trouvant qu'effectivement dans ces moments où le pouvoir d'achat est particulièrement affecté, il était difficile d'y souscrire. Le président Macron, en supprimant la taxe d'habitation, a aussi évidemment fait en sorte qu'il y ait un certain nombre de conséquences en cascade sur la fiscalité locale. En particulier, et on le verra sur les propriétaires qui constatent un alourdissement des impôts locaux, la suppression de la taxe d'habitation a en réalité aussi amoindri les marges de manœuvre fiscales qu'ont les collectivités et ont parfois réduit leur autonomie financière. Les marges de manœuvre les marges de manœuvre budgétaires de ces collectivités, elles sont d'autant plus contraintes qu'on l'a vu au long de nos discussions sur le projet de loi de finances, le gouvernement a refusé d'indexer les dotations de l'État sur l'inflation, ce qui a les conséquences que je viens de vous exposer. Puis par ailleurs, vous savez comme moi que cette inflation, eh bien, elle a d'autres conséquences sur les dépenses des collectivités. On voit l'augmentation des factures d'énergie, l'augmentation des prix des marchés publics qui sont particulièrement importants. Et des collectivités sont évidemment tentées d'augmenter leur taux de fiscalité locale, tandis que l'État ne compense pas forcément à hauteur de l'inflation. C'est donc dans ce contexte un peu inquiétant que nous avons travaillé sur cette proposition de réforme du mode de calcul de la taxe d'ordures ménagères. En effet, selon une enquête dans les auditions qu'on a pu mener, et je remercie les administrateurs qui m'ont accompagné dans ce travail, selon une enquête d'Amorce, vous savez qu'Amorce est une association nationale de collectivités qui s'occupe de la gestion de l'énergie, des déchets, de l'eau, de l'assainissement, 77% des collectivités ont augmenté la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères, la TOM donc, de plus de 5% cette année, en 2022, et plus de la moitié d'entre elles ont même augmenté de plus de 10%. Donc ce n'est pas évidemment neutre. Cette augmentation des taux sur la TOM, la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères, elle se double d'une augmentation sensible de la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes, qui elle est au profit de l'État. Et cette augmentation des taux de TOM, eh bien, elle va s'ajouter en plus à l'augmentation mécanique en 2023, vous le savez bien, des bases foncières. Vous le savez, la TOM, en réalité, c'est une sorte d'impôt additionnel à la taxe foncière. Ces deux impôts partagent la même assiette et ils sont payés par les propriétaires.
Et l'inflation 2023, on le sait, va avoir un impact assez considérable à la fois sur la taxe foncière et sur la TOM, puisque les valeurs locatives étaient indexées sur l'inflation. On a donc une double peine, en fait, pour les propriétaires. Et vous le voyez bien, c'est-à-dire une augmentation des taux en 2022 et puis une augmentation des bases pour 2023. Et je pense que, comme moi, vous en entendrez parler par vos électeurs. Mais au final, la question qu'on peut se poser, c'est tout ça pour quel résultat et pour quelle justice fiscale. Or, le système actuel de la TOM comprend plusieurs inconvénients. D'abord, et c'est le cas d'un certain nombre de taxes, il faut en être conscient, la TOM est une taxe qui est mal connue et mal comprise. Les auditions que nous avons eues avec les collectivités locales, leurs représentants nous l'ont expliqué. Elle laisse souvent à penser que cette taxe correspond, ou plutôt est liée au volume d'ordures ménagères ramassées, ce qui n'est évidemment pas la réalité. C'est une taxe qui est liée à la taxe foncière, c'est-à-dire à la parcelle, à sa valeur locative, et non pas à ce qui se passe sur cette parcelle. Par ailleurs, la TOM, c'est une taxe dont la base fiscale est assez injuste aujourd'hui, puisqu'elle n'est pas corrélée, je viens de le dire, à la quantité de déchets qui sont produits, et elle pénalise bien souvent des personnes qui sont seules. Alors, certes, il existe aujourd'hui, on en parlera probablement, une part incitative dans cette TOM, dont peuvent se saisir les collectivités, mais il faut bien le constater, cette disposition n'a pas trouvé le succès attendu. La base fiscale est par ailleurs injuste parce qu'elle est obsolète en l'absence de révision des valeurs locatives. Et puis, la TOM paraît injuste parce que, contrairement à la taxe foncière, il n'y a pas d'abattement possible. C'est la raison pour laquelle cette proposition de loi qu'on soumet aujourd'hui à votre discussion et qui ouvre une réflexion probablement en réalité vient être discutée devant vous. Je voudrais d'abord être peut-être clair sur la logique de celle-ci. L'objectif de la proposition, ce n'est pas de renforcer le caractère incitatif de la TOM sur la production de déchets, ni de renforcer son caractère environnemental. C'est pas ça. C'est de donner à cette taxe un caractère plus social, c'est-à-dire une bouffée d'oxygène dans la fiscalité supportée par nos compatriotes. Parce que, on le disait tout à l'heure, enfin 2023 va être une année compliquée pour les contribuables qui sont propriétaires, et pas toujours propriétaires de surfaces forcément très importantes, mais il y aura des effets de taux, des effets de base indexés sur l'inflation. Tout ça va avoir des conséquences très concrètes dans la situation fiscale de nos compatriotes. La proposition de loi que je vous soumets aujourd'hui, elle vise donc à introduire un élément variable dans la TOM, selon le nombre de personnes qui peuvent composer le foyer. C'est une disposition qui permettra de mieux prendre en compte, je le pense, les personnes seules qui produisent, elles, évidemment, peu de déchets, par définition. Elle permettra, de manière plus générale aussi, de corriger l'inconvénient majeur de cette taxe en le liant davantage à la quantité, évidemment, de déchets produits. Et puis, cette proposition contient une autre disposition qui consiste à ouvrir des possibilités d'abattement. Alors là, on vise dans celle-ci deux types de personnes, les plus de 70 ans et les personnes en situation de handicap. Ce n'est pas né du hasard, ce sont aussi les remontées de terrain d'un certain nombre de nos compatriotes qui sont parfois seuls dans une maison, qui sont âgés, qui se sont retrouvés à payer une TOM particulièrement lourde. C'est une mesure sociale, il faut bien le dire, qui est facile à mettre en œuvre pour les services fiscaux, ils nous l'ont confirmé, et qui représentera, je le crois, une protection de pouvoir d'achat pour eux. Et puis, je précise au besoin que les abattements n'impliqueront pas non plus nécessairement une perte de recettes pour les collectivités du bloc communal, qui reste libre, évidemment, dans la fixation des taux, mais qui impliqueront une répartition qui sera différente et qui sera plus juste, je pense, de cet impôt. Enfin, cette proposition, elle prévoit aussi qu'un rapport soit produit par le gouvernement sur le respect de l'autonomie financière des collectivités locales. On aura l'occasion d'en reparler. Elle ne porte pas en elle un caractère, vous l'avez bien compris, idéologique, mais c'est une réflexion qu'on souhaite ouvrir, peut-être mener sur la fiscalité locale. Et, alors, je regrette évidemment que les amendements qui ont été présentés à ce stade ne soient que des amendements de suppression de cette proposition de loi. Je pense qu'il y a là un chantier devant nous et qu'il faut l'entendre pour une fiscalité plus juste, une fiscalité qui soit moins pénalisante. C'est la logique de cette proposition de loi, la
logique probablement aussi de notre tâche qui consiste à faire en sorte que le consentement à l'impôt soit évidemment conduit, soit construit par une adhésion forte à celui-ci et sa juste répartition en particulier. C'est toute la discussion qui, je l'espère, va pouvoir nous animer ce matin. Je vous remercie. Merci Sébastien Chenu. Monsieur le rapporteur général, est-ce que vous avez des questions ? J'ai une intervention. Oui, peut-être, monsieur Chenu, je vais pas rentrer sur le fond et laisser Patricia Lemoine donner notre point. Je voudrais quand même rétablir quelques inexactitudes sur le contexte global que vous avez donné sur la fiscalité. Vous vous rappelez que vous nous reprochez, par exemple, de ne pas avoir indexé les dotations sur l'inflation. Votre groupe a porté ici même un amendement pour limiter à 2% l'augmentation de la taxe foncière des valeurs locatives, alors qu'elles augmentent, et c'est prévu par la loi, comme l'inflation. Et donc vous avez porté et essayé de faire voter des amendements successifs, 1-2% pour le cap à 2%, 1-3,5% pour limiter les ressources des collectivités territoriales. Deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que moi je suis prêt à faire toutes les études, missions, rapports, groupes de travail sur l'autonomie financière des collectivités territoriales. Je vous renvoie aux travaux qui ont été faits dans le cadre de cette commission par Monsieur de Courson, notre collègue de Courson et notre collègue Géretti en 2018, qui montrent très clairement que l'autonomie financière des communes n'a pas baissé. Je ne sais pas comment il faut le dire. Donc ce n'est pas un concept philosophique, l'autonomie financière des communes. Ça répond à des règles très précises. Ce sont des maths. Moi, je suis à la disposition de tout le monde. Reprenez les travaux qui ont été faits par cette commission et arrêtons de dire des choses qui sont absolument inexactes. D'accord ? Et sur le dernier point, là aussi, pour rester sur le cadre des finances des collectivités territoriales. Il faut que les élus assument les responsabilités qui est la leur, la responsabilité qui est la leur, de fixer les taux de fiscalité locale. Et sur la TEOM, ils ont cette liberté de choix. Et sur la taxe foncière, ils ont cette liberté de choix. Mais on ne peut pas, franchement, systématiquement nous expliquer que quand les taux augmentent, c'est parce que l'État n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela. Et quand les taux baissent, c'est parce que les communes sont bien gérées. Je pense que chacun doit prendre ses responsabilités. D'accord ? Et moi, j'ai trop de respect pour le travail de nos élus, trop de respect pour la libre administration, trop de respect pour leur autonomie inscrite dans la Constitution pour caricaturer ce lien entre la fiscalité telle qu'elle est portée par les élus et la responsabilité supposée de l'État dans la fixation de ces taux. Merci. Merci. Sébastien Chenu, une réaction. Oui, juste deux éléments, monsieur le rapporteur général. L'autonomie financière des collectivités, elle prend en compte les impôts nationaux qui sont transférés, sur lesquels les collectivités territoriales n'ont pas de possibilité de modification des taux. Donc on peut avoir cet échange, mais quand vous nous dites que l'autonomie financière des collectivités est en hausse, etc., en réalité, vous voyez que tout ça est assez contraint. Contraint comme d'ailleurs l'est finalement l'ATOM. Et les associations nous ont dit que c'était pas du tout, c'était bien entendu une liberté qu'ont les collectivités locales, mais je reprends leur terme. L'ATOM est un outil de libre administration sous contrôle étroit, nous disent les associations. Bah oui, c'est un outil qui est sous contrôle. On le sait très bien de par toutes les auditions qu'on a pu avoir. Ça participe à la libre administration des collectivités locales, mais le juge contraint beaucoup cette liberté. Donc on peut discuter les choses, mais c'est une liberté sous contrainte. Merci. On va passer au rapporteur du groupe, Patricia Lemoine, si j'ai bien compris. Oui, merci, monsieur le Président. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vise à modifier le calcul de l'ATOM en instaurant une part variable qui tienne compte de la composition du foyer et qui prévoit par ailleurs un abattement automatique pour les personnes de plus de 70 ans ou en situation de handicap.
Elle propose en outre que le gouvernement remette un rapport sur la fiscalité locale et l'effectivité du principe de la libre administration des collectivités. S'il s'agit de sujets de grande importance, un tel chantier ne peut être le fruit que de profondes réflexions articulées autour d'un travail collectif entre les associations d'élus, la représentation nationale et le gouvernement. Or, le Rassemblement national ne s'inscrit absolument pas dans cette démarche et les propositions qui sont faites auraient pour conséquence d'engendrer d'importants effets contre-productifs que nous détaillerons à l'examen des articles. S'agissant tout d'abord de la modification du calcul de la TOM, l'intégration d'une part variable tenant compte de la composition du foyer vient sanctionner directement les familles nombreuses. Et notre groupe ne souhaite absolument pas venir sanctionner les familles nombreuses, car nous savons que c'est souvent là où les problématiques de pouvoir d'achat se trouvent. Par ailleurs, votre proposition n'intègre absolument pas les quantités produites en matière de déchets ménagers par les familles. Vous pouvez avoir une famille nombreuse avec 3 enfants qui produisent moins qu'un simple foyer avec 2 personnes. S'agissant ensuite de l'abattement généralisé, là aussi il est inadapté, car en réalité les publics visés ne produisent pas forcément moins de déchets. Vous parliez de l'association Amorce, monsieur le rapporteur. Lundi matin, l'association Amorce nous a clairement dit qu'au contraire, cette catégorie produisait plus que les autres. En réalité, votre PPL est incohérente et elle est en contradiction avec la demande de rapport prévue à l'article 2 qui vise à défendre la fiscalité locale et la libre administration des collectivités, puisque vous leur imposez 2 mécanismes nationaux sans tenir compte des spécificités locales et évidemment sans concertation. En réalité, vous muselez les collectivités territoriales, notamment les EPCI. Pour Merci. Conclure, je dirais que votre PPL ne répond ni aux attentes des ménages, ni aux attentes des collectivités territoriales. C'est la raison pour laquelle nous déposons 3 amendements de suppression sur les 3 articles. Merci. Essayez de respecter les 2 minutes. Philippe Lothiot, groupe Rassemblement National. Alors, monsieur Cabrolier. Ah, bon, excusez-moi, je croyais que vous inscriviez après, collègue. Monsieur Cabrolier. Peut-être que monsieur Lothiot parlera aussi. Je vais prendre l'exemple, moi, de mon EPCI, là où je suis élu. Sous couvert d'harmonisation donc de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, il y avait 3 zones. Donc sous couvert d'harmonisation, ça a été l'occasion pour la présidente de l'agglomération et l'exécutif d'augmenter les taux de la taxe foncière et de, pour la première fois, d'inscrire un taux intercommunal de la taxe foncière. Avec la suppression de la TH, c'est sûr que les collectivités et les EPCI n'ont plus trop de pouvoir de taux. Donc moi, quand je vois qu'on pourrait imposer, avoir un abattement selon la composition du foyer fiscal, moi je trouve que c'est une bonne piste. Et puis quand M. Cazeneuve dit qu'on s'attaque à la libre administration des collectivités, je suis désolé, il y a un rapport de la Cour des comptes qui est paru récemment qui disait que depuis 2017, les collectivités... toutes les collectivités dans leur ensemble ont perdu 25 points de fiscalité locale. C'est même chiffré à 50 milliards d'euros qui ont été transférés notamment sur la TVA. Donc moi, je trouve qu'au moins, il faut revoir ce calcul de la TEOM. Merci. Merci, M. Cabrolier. Michel Sala pour LFI. Oui, monsieur le Président, monsieur le rapporteur. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères est un sujet important, d'autant plus que la situation économique avec l'inflation et les coûts de l'énergie actuels risque de faire peser encore plus durement ce service public essentiel. Les 3/4 des collectivités pensent augmenter de 5 à 10% cette taxe. La proposition présente ne répond pas aux enjeux et les solutions apportées sont très peu claires. Le premier point abordé est un point philosophique qu'énonce cette proposition, qui est que le consentement à l'impôt est le pilier de notre démocratie. Or, s'il faut citer la Révolution française de 1789 comme base théorique, cela devrait être pour en rappeler l'esprit. L'impôt doit être égalitaire si on ne veut pas provoquer un fort sentiment d'injustice. Si l'impôt est le symbole de la citoyenneté, il faut ajouter qu'il s'exprime de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. L'article 1 est une nouvelle inégalité devant l'impôt, puisqu'il ne considère pas y apporter plus de progressivité. Il voudrait conserver une part fixe et une part variable,
selon le nombre de personnes vivant dans le logement. Une famille nombreuse soucieuse de sa quantité de déchets aura une TEOM supérieure à une personne seule productrice de déchets en quantité. Et c'est souvent ces familles nombreuses dont le pouvoir d'achat est souvent plus limité, et en particulier dans un contexte de crise. Elle prévoit de plus un abattement pour les personnes en situation de handicap ou les personnes de plus de 70 ans, sans regarder les revenus de ces dernières. Cette nouvelle loi fera-t-elle varier la charge à la baisse et de façon juste? Rien n'est moins sûr. Elle fait abstraction du fait qu'il existe déjà une alternative pour les communes qui ont choisi, soit la TEOM I ou la ROM, la redevance, plutôt que la TEOM qui, selon la stratégie des territoires, prend déjà en compte le nombre de personnes par logement. À ce titre, cette PPL est donc redondante. Enfin, d'autres causes à l'augmentation de cette taxe pour les administrés sont que souvent les communes, au fil des réformes fiscales qui réduisent leur budget, n'ont plus de marge de manœuvre, se tournant exclusivement vers leurs administrés. Elles leur font d'ailleurs souvent compenser les charges qui reviennent normalement aux industriels, qui sont les premiers producteurs de déchets. Or, rien n'est ici proposé pour l'incitation à améliorer le traitement de ces déchets. Comment rendre le cycle des déchets plus vertueux aurait été une bonne initiative et aurait posé les bonnes questions sans stigmatiser une fois de plus les contribuables. Obliger les industriels à réduire le volume des emballages ou encore augmenter les moyens des collectivités en taxant une fois de plus les richesses de façon progressive aurait été des pistes. Puisque cette PPL ne répond à aucun des engagements qui sont les nôtres, nous voterons contre. Merci. Fabrice Brun pour le groupe Républicain. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Cette proposition de loi aborde un sujet concret pour lequel nous avons tous été saisis à un moment sur le terrain par nos concitoyens, le calcul de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui est basée aujourd'hui sur la seule valeur locative cadastrale du logement et pas sur le nombre d'habitants occupant le logement. Et c'est vrai que le mode de calcul actuel pénalise les personnes seules qui habitent un grand logement. Alors cette proposition de loi, en révisant les modalités de calcul de la TEOM, a le mérite d'ouvrir une réflexion et de poser un certain nombre de questions intéressantes. Mais en l'état, nous ne la voterons pas, car c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. En effet, le véritable point de fond, c'est la hausse brutale de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en raison de l'augmentation importante de la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes. Et c'est l'occasion pour le groupe Les Républicains et les députés Les Républicains de dire stop à cette augmentation de la TGAP parce qu'elle complique, elle complexifie la vie des collectivités chargées de la gestion des déchets, mais surtout, elle grève le budget des Français qui est déjà fortement impacté par les hausses de l'énergie. L'occasion aussi de dénoncer une nouvelle fois l'hypocrisie de la TGAP qui est versée davantage au budget général de l'État que consacrée à des actions ciblées de lutte contre les pollutions et l'occasion enfin d'appeler une fois de plus de nos voeux une refonte de la fiscalité locale en concertation avec les collectivités locales. Merci. Pour le groupe démocrate, qui prend la parole ? Monsieur Gespard. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Au premier abord, l'article 1er de cette proposition de loi peut sembler être une mesure de justice sociale. Cependant, la refonte de la base de calcul de la TEOM amènera inéluctablement à une complexification du fonctionnement de l'actuelle taxe et en dénaturerait sa construction et sa finalité. La métamorphose de cette taxe pourrait causer la surtaxation, par exemple, d'une famille nombreuse dont les pratiques de tri seraient pour autant vertueuses, à l'opposé d'un célibataire surproducteur de déchets. De plus, il existe déjà des régimes spécifiques d'exonération pour les personnes de plus de 65 ans ayant des faibles revenus. L'article 2 ne peut être considéré comme opportun au vu des nombreux rapports annuels de la Cour des comptes et de l'Observatoire des finances locales. Notre groupe votera en conséquence contre cette loi, cette proposition de loi. Merci. Merci. Valérie Rabault pour le groupe socialiste. Oui, merci, Monsieur le Président. Nous voterons contre cette proposition de loi pour trois raisons.
Monsieur le rapporteur, vous voulez nous faire croire que vous voulez faire de la justice sociale avec cette proposition de loi. Et en fait, c'est quand même vraiment le contraire que vous faites. D'abord parce que vous prévoyez une exonération pour les personnes qui ont plus de 70 ans sans condition de revenu. Donc vous pouvez avoir plus de 70 ans et être millionnaire et vous leur accordez une exonération totale, ce qui est totalement injuste. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, je vais rebondir sur la TGAP. Monsieur le rapporteur, dans d'autres instances, vous défendez les communes rurales. Alors je suis très étonnée que ça ne soit pas du tout pris en compte, parce que la TGAP va augmenter uniquement pour les communes qui n'ont pas d'incinérateur. Et toutes les petites communes rurales, elles n'ont pas d'incinérateur. Je vais prendre un exemple très concret. Moi, je suis dans un département, le Tarn-et-Garonne. 133 000 habitants ne vont pas voir leur taxe des ordures ménagères augmenter. 133 000 vont la voir augmenter, tout simplement parce que leurs communes n'ont pas accès à un incinérateur. Donc, ce qui serait plus intelligent, c'est de faire en sorte qu'on puisse mieux traiter les déchets. Et ça devrait être le seul objectif, parce que c'est ça qui redonnera du pouvoir d'achat à nos concitoyens. Et ça, ça ne figure nulle part dans la proposition de loi que vous nous soumettez aujourd'hui. Enfin, vous abordez un point, vous voulez faire une distinction selon la composition des foyers. Ce qui se dégage de ça, c'est une augmentation de la TGAP, de la taxe pour l'enlèvement des ordures ménagères. Et ça, vous êtes bien gardé, monsieur le rapporteur, de nous faire une estimation de savoir ce que ça va coûter en plus et combien de ménages vont avoir une hausse très significative avec votre proposition de loi. Des ménages qui n'ont pas toujours les revenus les plus élevés, puisque vous passez sous silence totalement cette question des revenus. Donc pour ces trois raisons, nous voterons contre cette proposition de loi. Merci. Pour le groupe Horizon, c'est qui ? Excusez-moi, monsieur Jolivet. Merci, monsieur le Président. Le groupe Horizon apparenté est défavorable à cette proposition de loi, et ce pour deux raisons. D'abord, sur le fond, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est une taxe additionnelle à la taxe foncière. Et de ce fait, en définir une part fixe, une part variable, s'avère extrêmement difficile, d'autant que les collectivités territoriales, je vous le rappelle, appellent un volume financier. Et distinguer ensuite par la composition familiale et l'âge, alors que nous assistions ensemble à la même réunion avec les services fiscaux, j'ai cru comprendre que c'était impossible parce qu'en fait, le fichier population que détenaient les services fiscaux avec la taxe d'habitation, ils ne la détiennent plus. Et puis ensuite, je trouve, monsieur le rapporteur, que vous souhaitez finalement avoir les plus de la redevance et les plus de la taxe. Mais aujourd'hui, les collectivités territoriales, si elles souhaitent mettre en place la redevance, elles peuvent définir tous les critères. Certaines le font au poids des déchets, d'autres le font à la composition familiale, d'autres ont ajouté des critères d'exonération, parce qu'en fait, vous ne parlez pas d'exonération de taxes dans votre proposition de loi, on ne sait pas comment c'est financé. Est-ce que la collectivité qui déciderait d'exonérer les personnes de plus de 70 ans, ce serait compensé par qui ? Par les autres qui auraient moins de 70 ans ? C'est ça que je ne comprends pas. Donc pour ces raisons-là, le groupe Horizon apparenté est défavorable, même si par ailleurs nous reconnaissons que le ménage doit être fait dans l'ensemble des ressources des collectivités territoriales. Madame Arigui pour le groupe écologiste. Oui. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, les pièges grossiers de l'article 1 de la PPL présentée nous ont poussé au dépôt d'un amendement de suppression de la modification introduite par cette proposition de loi, qui est non seulement anti-écologique, mais également antisociale. Alors, en effet, le texte du Rassemblement national ignore les comportements vertueux qui peuvent être adoptés par les citoyens. Il les pénalise et donc décourage une réduction de la production des déchets. Selon votre texte, une famille qui fait attention à sa production de déchets risque de payer une taxe d'enlèvement des ordures ménagères beaucoup plus importante qu'un célibataire surproducteur de déchets, qui, par ailleurs, par un amendement de dernière minute, vous proposez d'exonérer sans condition de revenu. Chasser le naturel, il revient au galop. On voit bien qu'à travers votre texte, votre idéologie, celle de stigmatiser les plus précaires, les familles nombreuses, votre texte le montre bien, stigmatiser les familles nombreuses dont le pouvoir d'achat est souvent plus limité, et en particulier dans un contexte de crise. Nous n'osons penser que c'est par méconnaissance de dispositifs spécifiques que vous avez déposé cette PPL,
parce que opter pour une redevance incitative nous semble bien plus adapté dans le but d'inciter à une moindre production de déchets. Cette option permet aussi à la collectivité de s'emparer pleinement de sa politique de gestion des déchets, et la redevance incitative est plus juste et plus lisible pour les usagers. Et donc, nous, évidemment, nous voterons contre votre texte et déposons un amendement de suppression. Merci. Monsieur Tellier, pour le groupe GDR. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, la proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui vise notamment à modifier le mode de calcul de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, communément appelée TOM. Bien qu'elle soit très répandue, la TOM n'est pas la seule option que disposent les communes et leurs groupements pour financer le service d'enlèvement des déchets. Elles peuvent d'ores et déjà opter pour la mise en place d'une redevance qui est souvent composée d'une part fixe et d'une part variable dépendant du nombre de personnes composant le foyer. Dès lors, faire tendre le dispositif TOM vers la ROM, comme le propose cette PPL, me semble pas opportun. Malgré les limites qui existent pour la TOM, celle-ci possède aussi de nombreux avantages, notamment concernant son recouvrement, au même titre que la redevance possède, elle aussi, des avantages et des inconvénients. Il ne semble donc pas opportun de faire tendre la TOM vers un mécanisme de redevance pour lequel les collectivités peuvent déjà opter. Une telle restriction réduirait les possibilités de financement de la compétence et viendrait entraver la libre administration des collectivités, en contradiction complète d'ailleurs avec l'article 2. En conséquence, notre groupe, nous ne voterons contre cette PPL, car nous pensons que les plus amènes à décider comment les collectivités financent leurs services, ce sont les collectivités elles-mêmes. Monsieur Castellani, pour le groupe Liot. Merci, Président. Monsieur le rapporteur, d'une façon générale, vous savez que notre groupe, le groupe Liot, demeure attaché au principe d'autonomie financière et fiscale des collectivités. Et à ce titre, on ne peut que regretter l'évolution qui est à l'œuvre depuis 2017 et qui rogne peu à peu le lien fiscal entre les citoyens et les collectivités. On pense à la suppression de la TH ou encore à la CVAE. Pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, il faut rappeler que le droit actuel permet déjà de mettre en place une TOM avec une part variable qui tient compte de la quantité et de la nature des déchets produits par le foyer. C'est la TOM incitative. Et ici, la part variable qui nous est proposée ne tient pas compte de la production de déchets et ne semble pas donc inciter les foyers à des comportements plus favorables à l'environnement. Si l'idée de créer un abattement est la bienvenue, on peut s'interroger sur l'équité, ça a été dit par d'autres ici, sur l'équité de celui qui est proposé par la PPL. On peut regretter que la TOM ne tienne pas compte des facultés contributives des foyers, puisque toutes les personnes âgées ne sont pas précaires et toutes les personnes en situation de handicap ne sont pas bénéficiaires de l'âge. On observera enfin que la PPL ne propose pas de chiffrage de cet abattement. Sur l'article 2, qui concerne un sujet bien plus large que la seule taxe sur les ordures ménagères, puisqu'il porte sur la fiscalité locale et la libre administration des collectivités locales. Voilà. Donc, en conclusion, je dirais que cette PPL a l'avantage de mettre en lumière un problème concret de l'administration des collectivités qui touche le pouvoir d'achat des citoyens et la qualité du service public local. Mais notre groupe considère que le dispositif qui est proposé, il ne nous semble pas assez abouti et il nous semble aussi qu'il manque en partie ses objectifs. Merci. À ce stade, je n'ai que M. Laquila qui s'inscrit après. Je voulais savoir s'il y en avait d'autres. Bon, alors, OK, je les prendrai après. Du coup, je vous laisse répondre aux orateurs de vous. Bien, un certain nombre de réponses qui peuvent recouper les interventions. Effectivement, comme le dit Michel Castellane, cette proposition, elle ouvre une réflexion dont nous ne pouvons faire l'économie. Il ne s'agit pas d'une réflexion qui vise à rendre la TOM plus incitative, mais c'est une mesure de pouvoir d'achat ciblé et de redistribution. C'est une réflexion sur le pouvoir d'achat à travers la TOM que nous souhaitons ouvrir.
Vous le savez, pour la taxe d'habitation, il y a beaucoup d'abattements. Or là, pour la TEOM, il n'y a pas d'abattement, très peu d'abattement, ou quasiment pas d'abattement possible, alors que la TEOM, elle rapporte 7 milliards d'euros. C'est un impôt, une taxe importante dans notre pays, et aucun allègement, il y a peu d'impôts qui ne, dans lesquels il ne soit pas conçu une part d'abattement quand il rapporte, en tous les cas, des sommes pareilles. Vous parlez, donc ça c'est sur la politique des abattements, vous nous dites le rapport, est-ce qu'il sera utile ou pas? Mais je pense qu'il peut, et je rebondis sur ce que dit Michel Castellane, la demande de rapport, elle peut être utile parce qu'elle va donner des informations au Parlement. En effet, quand on a supprimé la taxe d'habitation, on a supprimé de la même façon des informations, la collecte d'informations extrêmement utiles sur la composition des foyers. On a appauvri en réalité la sphère publique en informations. À travers ce rapport, évidemment, il s'agit de remettre ces informations au goût du jour. Je le répète pour un certain nombre d'intervenants, je pense à M. Salah, qui sont intervenus. Il ne s'agit pas de rendre la TEOM plus incitative sur la gestion des déchets. C'est une disposition de pouvoir d'achat. Je suis en accord, je partage évidemment ce qu'a dit Fabrice Brun sur la hausse de la TGAP. J'y reviendrai pas sur les tendances haussières que nous dénonçons. Monsieur Gesmard, vous parliez effectivement aussi des abattements. Ils sont faciles à intégrer, les abattements. Et sur les rapports, vous nous dites, oui, mais il n'y a pas de rapport enfin, les rapports ne sont pas satisfaisants. Mais parce que les rapports qui ont été publiés, notamment celui de la Cour des comptes, ne correspondent pas aux problématiques qui nous intéressent. Ils ne sont pas sur le poids de la fiscalité dans les ménages, mais ils sont souvent, en tout cas les rapports qu'on a récupérés, sur le traitement des déchets. Donc, évidemment, on a besoin de données supplémentaires. Et Madame Rabault, juste peut-être deux points. Il ne s'agit pas d'une exonération totale, mais juste d'une part qui serait variable. Donc on n'est pas sur ne vous inquiétez pas, mais surtout au-delà de ne pas vous inquiéter, faites œuvre utile. Vous nous dites le dispositif il n'est pas le dispositif il peut être complété en réalité par une mesure qui conditionne le bénéfice de ces abattements aux revenus. Bah, faites un amendement, allez-y, c'est possible, on peut créer des abattements et on peut les conditionner aux revenus. C'est même tout l'intérêt finalement de ce genre de proposition, c'est qu'on peut la faire évoluer. Sur l'aspect TEOM REOM, on en parlera peut-être dans l'amendement déposé par le groupe écologiste, mais la REOM n'est pas le système idéal non plus. On a un certain nombre de données qui nous remontent, qui indiquent que c'est un système qui est plus compliqué, évidemment, pour l'administration fiscale. C'est un système qui est basé sur la déclaration. Et donc, il y a évidemment toute une part, je ne vais pas dire de fraude, mais enfin, on ouvre une porte sur une difficulté à récupérer, ou en tout cas à suivre des situations qui ont évolué. Elle est plus lourde en gestion. J'y reviendrai en tous les cas sur l'amendement. Et puis, peut-être un point sur le chiffrage dont M. Castellane nous dit qu'il est absent. C'est d'où la nécessité du rapport, effectivement, qu'on vous propose. C'est pour pouvoir chiffrer. Je reviens sur le fait que la taxe d'habitation supprimée nous prive d'un certain nombre de données qui seraient quand même bien utiles, justement, lorsqu'on veut chiffrer un tel projet. Merci pour votre rapidité. On va passer aux autres orateurs. Pas plus d'une minute chacun. Merci. Mohamed Akila. Oui, mais merci. Il me semble que effectivement le débat sur la TEOM est intéressant. Par contre, une seule question que j'aurais à vous poser, c'est est-ce que vous avez volontairement ignoré ou éludé la TEOM qui touche les entreprises, et notamment dans les métropoles? Je prends un exemple dans ma propre circonscription. La métropole prélève toujours la TEOM au niveau des entreprises. Par contre, elle a supprimé le service. Et aujourd'hui, les entreprises se trouvent doublement sanctionnées. Elles payent une taxe qui est prélevée chaque année et en même temps, elles doivent faire appel à un service extérieur. Est-ce que vous l'avez volontairement? Vous avez parlé des ménages, bien évidemment, mais les entreprises, les commerçants, vous n'en avez pas parlé du tout. Monsieur Lothiot. Oui, monsieur le Président. On entend dire, là, tout à l'heure, on peut mettre en place, il y a la redevance incitative qui est vertueuse et qui aide à être vertueuse. Alors, certes, mais je voudrais revenir sur trois points. Premièrement, comme l'a dit le rapporteur de la PPL, le but ici, c'est une but de pouvoir d'achat. Or, qu'est-ce qu'on voit? La redevance incitative, elle est lourde à mettre en place.
moi, je fais partie d'une collectivité qui avait décidé de ne pas la mettre en place parce que c'est très lourd, c'est très complexe, avec un effet qui n'est pas toujours, qui m'a contre-productif. On l'a vu dans un certain nombre de cas. Donc, dans un certain nombre de collectivités, de PCI, il n'y aura pas de redevance incitative tout de suite, même avant plusieurs années. Or, on sait très bien que dès l'année prochaine, le coût du service va augmenter très sensiblement du fait de l'évolution de la TGAP, cela a été dit par notre collègue, et aussi du fait du coût simplement des camions, des entreprises, etc. On le sait très bien, des carburants. Donc, la TEM doit couvrir le coût du service. Le coût du service, il va augmenter tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Pas dans 3 ou dans 4 ans, quand on aura mis en place la redevance incitative ou pas. C'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en matière de pouvoir d'achat? Et je crois que c'est comme ça qu'il faut voir cette proposition de loi. Merci. Monsieur Di Filippo. Oui, merci, Président. Je remercie le rapporteur aussi. Mon interrogation, elle porte sur les conséquences pour nos collectivités, parce que je comprends bien la problématique de pouvoir d'achat que vient de soulever le précédent collègue, mais on a aussi des problématiques dramatiques qui se posent en termes de ressources des collectivités. Et si demain, vous voulez pouvoir continuer d'investir dans le traitement des déchets, dans le recyclage, dans les services à nos habitants, ce n'est pas une question qu'on peut balayer sous le tapis comme ça. J'ai un vrai, vrai point de différence avec le rapporteur général du budget, parce que lui estime, au niveau macro, quand il prend l'ensemble des collectivités, qu'il y a des ressources qui augmentent et qu'il n'y a pas de problème. Si on prend les communes, notamment les communes avec des charges de centralité d'une certaine taille, la situation de leurs finances sont désastreuses pour cette année, pour l'année qui vient, pour les années à venir. Il faut savoir qu'il y en a qui ne bouclent pas encore à ce stade leur budget pour 2023. Donc c'est une question qui est peut-être la question principale de ce débat. Monsieur Sissenstuhl. Merci, Monsieur le Président. Alors, cette proposition de loi est une très mauvaise idée parce que, sous couvert de fausse générosité et d'exonération des plus de 70 ans, sans condition de revenu, on va bien devoir compenser. Donc, en fait, on va prendre dans la poche de l'un, on va enlever dans la poche de l'un pour prendre dans la poche de l'autre. Et donc, en réalité, c'est une hausse de la fiscalité déguisée sur les classes moyennes que cette proposition de loi propose. Et ça, dans le contexte actuel, c'est absolument pas acceptable. Par ailleurs, cette proposition de loi montre une déconnexion totale avec la réalité de nos élus de terrain, puisque beaucoup de syndicats d'ordures ménagères aujourd'hui vont vers la redevance incitative, et c'est celle-là qui est dans le sens d'une meilleure transition écologique, une meilleure gestion des déchets. Merci. Monsieur Lefebvre. Merci, Monsieur le Président. Moi, je suis toujours surpris du débat sur le lien entre fiscalité et citoyenneté s'agissant des impôts locaux. Je le dis, nous n'avons pas vocation à maintenir des impôts ou à en refuser la suppression au seul motif qu'ils assureraient un lien de fiscalité et de citoyenneté avec les collectivités territoriales. La taxe d'habitation a été supprimée et c'est heureux pour celles et ceux qui devaient la payer. On n'a pas vocation à recréer un impôt local, comme le propose le président Larcher, avec un impôt résidentiel, pour le seul motif de recréer un lien de fiscalité avec nos concitoyens. Ensuite, je suis très surpris de cette proposition de loi. Je pensais que le Rassemblement national était un parti nataliste. C'est une mesure qui est en réalité anti-famille, puisqu'elle va pénaliser les familles nombreuses. Enfin, sur la hausse des impôts locaux, elle est de la responsabilité des élus locaux. Elle n'est pas de la responsabilité de l'État. Je rappelle que la taxe d'habitation a été compensée à l'euro près, contrairement à ce qui a été dit à nombreuses reprises. Merci. Madame Bonivard, pardon. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, effectivement, moi aussi, je suis étonnée de cette proposition de loi de la part du Rassemblement national, parce que l'impôt, c'est aussi ce qui réunit les Français dans un effort national collectif, quelle que soit ou la taxe, quelle que soit sa situation. Et je pense que c'est très important de ne pas déconstruire absolument le rapport à l'impôt des Français, pour qu'on devienne simplement sur le service public comme un bien de consommation, comme un autre. Je ne paye que ce que je consomme. Ça signifie que vous n'avez pas d'enfants, par exemple, eh bien, vous refusez de payer toute une fiscalité qui va permettre le transport scolaire. Voilà. Cette philosophie n'est pas bonne. Par ailleurs, ça signifie que, par exemple, quand on ouvre ça, par exemple, dans les territoires touristiques où les gens ont des résidences secondaires, eh bien, il faudrait réduire cette taxe à proportion au prorata
bien évidemment dans la même logique que vous indiquez de présence des personnes des résidences secondaires sur le territoire résidence secondaire. On rentre dans une logique qui est totalement contradictoire avec celle de l'effort public national de chacun pour un service public acceptable pour tous. Merci. Monsieur Lecomte. Oui, moi je voulais seulement dire que toute la démonstration de cette loi me paraît faussée dès le départ, dès lors qu'on la met sur le pouvoir d'achat. Une loi sur les taxes dans les ordures ménagères doit être avant tout destinée à réduire les déchets, à réduire ce qu'on produit et ce qu'on retraite. J'en veux pour preuve ce qu'on a fait dans notre département avec un syndicat où adhèrent toutes les communes et les collectivités. On a pucé toutes les poubelles. Jaune et noir. Et c'est au nombre d'enlèvements qu'on paye. On a appelé ça la redevance incitative. Et on arrive même par ce système-là à réduire les taux de paiement de certains. Ceux qui ont peu, bon, on ramasse la poubelle une fois toutes les quatre semaines. Ceux qui ont plus, c'est toutes les semaines. Et c'est dégressif en fonction du volume de produits, justement pour s'occuper des familles. Donc je crois qu'il faudrait qu'on replace quand même, recentre une loi qui s'attaque à la TOM, sur l'objectif de réduire les déchets et d'améliorer leur traitement. Merci. J'ai plus d'inscrits. Une fois, deux fois, trois fois. Monsieur Chenu. Oui. Merci, Monsieur le Président. Pour répondre à Mohamed, à Monsieur Lakhila, pardon. Oui, ça a été réfléchi en fonction des ménages, cette proposition de loi. Mais j'ai quand même un élément. L'administration fiscale nous a indiqué elle-même son impuissance à déterminer la part des ménages et celle des entreprises redevables de cet impôt. Il y a quand même une difficulté qu'il faut percevoir aujourd'hui. Les entreprises, elles peuvent aujourd'hui obtenir une exonération si elles font appel, je crois, à une entreprise privée, si elles en font la demande. Et je me souviens que vous aviez donc, on m'a soufflé, que vous aviez porté vous-même d'ailleurs un amendement qui avait vocation à rendre automatique cette exonération. Donc c'est un autre débat qu'on peut avoir, qui n'est pas inintéressant d'ailleurs, mais là effectivement on se concentre sur les ménages. Sur les compensations, pour répondre aux collègues qui se sont succédés, je vous renvoie à l'article 3 et à l'amendement qui y est joint. C'est une compensation classique hein, qui prennent en compte les bases de l'année. Mais sur le lien contribuable impôt, je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut se rappeler, c'est qu'on prend toujours en compte la situation de chacun dans les impôts. C'est pas quelque chose de très original que de prendre en compte, mais surtout j'attire votre attention sur l'augmentation de cette TOM. En 2022, la TOM, elle a augmenté de 5,07%. Mais en 2023, l'augmentation à venir, elle est de 7,5%. C'est donc aussi dans cette perspective d'augmentation à venir que nous disons qu'il faut prendre en main, évidemment, le calcul de cette TOM. Et pour le reste, pour notre collègue de la Vienne, c'est effectivement une autre approche, une autre philosophie que nous pouvons ouvrir. Mais je crois qu'elle dépasse évidemment le cadre de cette proposition aujourd'hui. Merci. Allez, on passe aux amendements. Amendement numéro 1 sur l'article 1er, Madame Marigui. Oui, donc je ne vais pas revenir sur le principe de la TOM, quoique peut-être que ça serait nécessaire, puisque c'est une taxe qui est due pour toute propriété et par le propriétaire. Et donc, évidemment, on peut comprendre pourquoi aujourd'hui elle est basée sur uniquement la composition, non pas d'une famille, mais sur la valeur locative de l'immeuble. Donc opter pour une redevance incitative nous semble bien plus adapté, dans le but d'inciter à une moindre production de déchets. Elle permet à la collectivité, je l'ai déjà dit, de s'emparer pleinement de sa politique de gestion des déchets, et elle est plus juste et plus lisible. Alors pour ceux qui, comme manifestement, cela vient d'être dit que c'est une disposition compliquée à mettre en place, ben pas du tout, puisque elle s'est faite une place dans des configurations où on la disait impraticable, en zone urbaine comme à la communauté urbaine de Grand Besançon, à La Roche-sur-Yon, en zone touristique telle qu'à la communauté de communes du pays Fouesnantais. Et puis pour illustrer le succès de la redevance incitative et de ses effets vertueux, la collectivité à laquelle je suis rattachée du fait de mon domicile, elle a opté en 2014 pour la redevance incitative, mise en place en 2016, en insistant sur les mesures de prévention permettant d'accompagner les usagers dans leur démarche de réduction de déchets. Ce choix, aujourd'hui, se traduit par une très forte réduction des tonnages d'ordures ménagères, sans impact négatif sur la qualité du tri. 238 kg
par habitant en 2010 et en 2020, 153 d'ordures ménagères résiduelles. Et pour vous éclairer, si vous le souhaitez, le président de cette collectivité est prêt à venir être audiencé lors de la commission finances et par la commission finances, accompagné de ces personnels spécifiquement attachés à cette redevance et à son calcul et à son contrôle. Merci de la proposition. Madame Lemoine, il y a un amendement identique de suppression. Oui, c'est un amendement identique de suppression. Je ne vais pas revenir sur tous les arguments qui ont été développés par l'ensemble des orateurs, mais peut-être pointer les effets pervers de votre proposition, monsieur le rapporteur. En généralisant les abattements que vous préconisez et en venant introduire une part variable qui serait liée à la composition de la famille, vous allez impacter le coefficient d'intégration fiscale des EPCI. Vous allez donc directement impacter la dotation d'intercommunalité de l'EPCI. Nous, au niveau du groupe Renaissance, nous faisons confiance aux élus. Nous pensons que c'est à eux et à eux seuls de pouvoir agir sur les taux de TOM en fonction des politiques qu'ils développent sur leur territoire en matière de gestion des déchets ménagers. Cela a été dit, je crois que c'est la TOMI et la ROM qui sont des solutions qui permettront de répondre aux attentes des ménages, c'est-à-dire de payer un service en fonction des quantités produites. Mais ce ne sont certainement pas les deux propositions que vous faites à l'article 1 qui seront de nature à répondre à leurs attentes, d'où la suppression de cet article, puisque, en réalité, les pratiques vertueuses ne sont absolument pas prises en compte. Et surtout, vous venez altérer les marges de manœuvre financières des collectivités, contrairement à l'objectif que vous nous dites rechercher au travers de cet article 1. Monsieur Chenu, une réponse. Merci, Monsieur le Président. Donc, pour vous répondre, cher collègue, d'abord à Madame Arrigui, l'objet de la proposition, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, ce n'est pas de rendre la TOM plus incitative sur la gestion des déchets, c'est de soutenir le pouvoir d'achat des redevables de la TOM, qui sont des personnes bien souvent seules ou vulnérables. Mais sur la REOM, vous nous dépeignez une REOM qui serait l'outil idéal en toutes circonstances. Bah, c'est loin d'être idéal. Moi, je n'ai pas de religion en la matière. Mais les associations d'élus locaux, elles nous ont indiqué d'abord que, évidemment, c'est l'État qui assure la garantie de recouvrement et de la perception de la TOM, alors que ce sont les collectivités territoriales qui doivent gérer les impayés de la REOM. Donc autant vous dire qu'elles ont ça sur le dos, c'est quand même pas quelque chose de particulièrement facile à faire. La REOM, elle est recouvrée, je l'ai dit tout à l'heure, sur une base déclarative, avec tous les effets pervers, pour reprendre un terme qui a été utilisé par une autre collègue, qu'on connaît. La DGFiP, elle, nous a expliqué quelque chose d'intéressant. Elle nous a dit aussi que la REOM, elle est beaucoup plus lourde en gestion par les services fiscaux. C'est pas quelque chose à prendre non plus à la légère. Peut-être vous prenez ça avec des désinvoltures, mais je pense que lorsqu'il s'agit de recouvrir l'impôt, ce n'est évidemment pas à prendre. Et puis, il est évidemment, les associations d'élus, elles nous l'ont dit, il est beaucoup plus facile d'identifier en milieu urbain les parcelles cadastrales que les ménages. Il est donc très difficile d'identifier la part que chacun, et surtout plusieurs ménages, peuvent faire lorsqu'ils partagent la même poubelle. Ça, là aussi, c'est quelque chose de très concret. Enfin, le basculement de la TEOM à la REOM, il implique un changement de nature juridique du service, qui là aussi est une source de complications. Et puis, je vous le dis de façon finalement très objective, la REOM, ça collecte 800 millions d'euros en 2017, alors que par exemple la TOM en collectait 7 milliards. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Ce sont des chiffres qui sont actualisés. J'ai demandé à l'administration de nous les actualiser, mais on n'est pas du tout, sincèrement, dans les mêmes types d'ordre de grandeur. Et puis, Madame Lemoine, je ne vais pas revenir donc sur en ce qui concerne le but de cette proposition. Simplement, s'il y a des allègements qui sont prévus pour la TFPB, aucun allègement, on l'a dit, n'existe pour la TEOM dans le code général des impôts, sauf, je crois, une possibilité peut-être de plafonner la valeur locative. Il y a ça qui existe. Mais la DGFiP, elle nous a dit que c'était tout à fait possible d'introduire des abattements concernant la TEOM. Sur la libre administration des collectivités,
on l'a dit tout à l'heure, la TEOM, elle participe à cette libre administration. Il ne s'agit pas de vouloir revenir en arrière, mais on le voit bien, c'est quelque chose qui est plus théorique qu'autre chose. C'est un outil de l'administration, ce que je disais au rapporteur, qui est sous contrôle étroit, et nous l'avons vu. Parce qu'il y a une difficulté, on l'a vu, de recourir à la REOM, pour un certain nombre d'éléments que j'ai déjà évoqués. Une réduction des marges budgétaires de plus en plus forte, qui fait que, évidemment, avec la crise inflationniste ou avec la hausse de la TGAP, on est amené à recourir davantage au budget général et les marges de manœuvre locales qu'on peut avoir. Donc la TEOM, elle doit couvrir l'intégralité du coût du service. Et puis, il y a une jurisprudence qui a été qualifiée, pas par moi, mais dans les auditions qu'on a pu mener, d'intrusive, qui réduit encore le choix de fixation du taux, qui ne doit pas être disproportionné, évidemment, au coût du service. Il y a 15% d'écart maximum. Le président me regarde, c'est peut-être parce que je suis long. Non, oui, un petit peu, mais... D'accord. Pardonnez-moi, je pourrais revenir sur la suite. Je vous dis, donc, ce n'est pas un abattement qui est d'ailleurs compensé par l'État. C'est l'amendement que vous pourrez examiner qui viendra réduire une autonomie qui, en réalité, a déjà été bien entamée bien avant. Merci. Madame Lemoine, que donc, je suppose en pour l'amendement et je prendrai un compte si... Pardon d'être là. Problème de micro. Oui, monsieur le rapporteur, si on appliquait cet article 1, moi j'aimerais que vous nous expliquiez ce qui se passe pour la situation des locataires. Parce que la TEOM est payée par le propriétaire et peut être répercutée aux locataires. Avec l'introduction de la composante liée au foyer familial et les abattements faits pour les personnes de plus de 70 ans ou les personnes en situation de handicap, comment gérez-vous la situation du locataire qui se verrait appliquer un calcul de TEOM sur la situation du propriétaire? Moi, j'aimerais vous entendre là-dessus. Allez, un contre l'amendement avec Monsieur Tanguy. Mais la répercussion, elle n'est pas automatique, Madame Le Moine. Il y a un contre... excusez-moi. Avec Monsieur Tanguy. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, mais écoutez, je trouve vraiment... Cette volonté de supprimer les articles avec des arguments fallacieux et technocratiques, vraiment, vraiment pitoyable. Je vous le dis, voilà. Et en plus, votre réaction l'est aussi. C'est une proposition qui vise à améliorer le pouvoir d'achat des Français. Nous sommes saisis dans nos permanences chaque semaine de Français, de nos concitoyens qui ne comprennent pas la façon dont est fixée cette taxe, qui ne comprennent pas les injustices des choix que vous avez fait font porter. Et Madame Arrigui, je suis désolé, ce n'est pas aux familles de subir et de porter financièrement vos politiques environnementales et de transférer la responsabilité vers des gens qui n'y sont pour rien. Je veux dire, la question de la gestion des déchets doit venir du haut. Voilà, ce sont aux entreprises, ce sont aux élites de prendre leurs responsabilités. C'est sûrement pas une fois plus de faire payer les Français pour les erreurs des dirigeants. Merci. Allez, réponse du rapporteur et on vote. Non, mais voilà, j'avais indiqué à Madame Lemoine que la répercussion, elle n'est pas automatique sur le locataire. Donc voilà, votre question trouve sa réponse ainsi. Voilà, moi, j'ai mis un avis défavorable sur ces deux amendements. Je le maintiens parce que je crois que, en réalité, ce n'est pas en repoussant cet article qu'on ouvrira la discussion, la réflexion bien nécessaire, comme l'a dit Jean-Philippe Tanguy, que nous invitent à faire nos concitoyens sur les augmentations présentes et à venir de cette taxe. Ok, je propose qu'on passe au vote. Qui est pour les amendements identiques? Okay. Qui est contre? Ils sont adoptés. L'article 1 est donc rejeté. Article 2, amendement de suppression de Madame Lemoine. Oui, là aussi, c'est un amendement de suppression, parce que le sujet que vous évoquez, monsieur le rapporteur, est un sujet d'importance et qui mérite mieux qu'un simple rapport produit dans un délai de 6 mois par le gouvernement. C'est un sujet qui mérite d'être travaillé avec la délégation aux collectivités territoriales. C'est un sujet qui mérite d'être travaillé avec la représentation nationale, monsieur Tanguy,
et avec le gouvernement. Chut, s'il vous plaît, il n'y a qu'une personne qui parle. Et pas un rapport produit uniquement par le gouvernement. Nous avons des instances locales. Nous devons travailler avec les associations d'élus, les associations représentatives. Et donc, ce rapport, tel que vous le présentez, tel que vous le proposez, ne correspond pas aux attentes des élus. Et c'est un ancien maire, une ancienne présidente d'intercommunalité, très investie sur les sujets de traitement d'ordures ménagères, qui vous parle. Monsieur Sansu. L'avis du rapporteur. Monsieur Sansu. Oh, pardon. C'est pour ça, Monsieur Sansu doit être quelque part dans la maison. Non, il n'est pas là. Vous l'embrasserez pour moi, mais... ça, je vous laisserai faire. Bien, non. D'abord, Madame la députée, en fait, ça n'empêche pas la délégation à laquelle vous vous référez de travailler dans le même sens. Ça va même collecter, ce rapport, un certain nombre de données qui vont alimenter sa réflexion. Ce n'est pas l'un contre l'autre. Moi, je pense que, plutôt qu'une suppression de ce rapport, je propose dans un autre amendement une modification peut-être de son objet afin de le concentrer sur l'incidence de la fiscalité locale sur le pouvoir d'achat des ménages, qui est vraiment ce qui nous préoccupe. Donc, l'idée, c'est quand même de retrouver de la donnée. Or, je le redis, hein, la suppression de la TH, elle a contribué à appauvrir la qualité et la quantité de données disponibles qui sont relatives à la fiscalité locale. Donc, c'est l'administration fiscale, d'ailleurs, qui nous le dit et qui nous fait part de son impuissance, que j'ai dit tout à l'heure, à déterminer la part des ménages et celle des entreprises redevables de cet impôt. Donc, on manque d'informations, consolidées. Ce rapport n'empêche rien d'autre, mais c'est, je crois, une donnée supplémentaire. Moi, je suis... Je vous dis, toujours étonné qu'on puisse s'opposer à la création d'un rapport qui amène de la donnée, qui amène de la réflexion, et une réflexion qui soit conduite même en dehors de cette maison. Alors attendez, j'ai un contre avec M. Tanguy, donc je suppose que j'aurai un pour avec Mme Lemoine. Non. Non ? Ok, M. Tanguy. Et vous, c'est quoi, monsieur... J'ai une abstention, donc. D'accord, alors j'ai aussi le pour. Ok. Donc je commence par le contre. Monsieur Tanguy. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, écoutez, cet amendement, une fois plus, de suppression, et l'intervention de notre collègue Lemoine, on respecte votre mandat et votre expérience, mais vous êtes contradictoire parce que vous dites, oui, c'est attenté au débat parlementaire, mais tous vos amendements sont un attentat au débat parlementaire, puisqu'en fait, vous ne faites aucun amendement d'amélioration, vous ne faites aucun amendement de nuance, vous ne visez pas à améliorer le texte, à éviter peut-être que nul n'est parfait, corriger des erreurs qu'aurait pu être faites, corriger des écueils. Non, vous ne visez que la suppression, c'est-à-dire en fait le refus de discuter et le refus même en fait d'entendre que oui, il y a un problème avec la TEOM, oui, il y a un problème de pouvoir d'achat concernant le paiement de ces taxes que les citoyens ressentent injuste. Et uniquement pour des raisons de politique politicienne, l'ensemble des mouvements de la majorité et de gauche font de l'obstruction par la suppression, en refusant de débattre du sujet, tout en appelant au débat parlementaire. Donc un peu d'honnêteté intellectuelle, assumez le fait que vous refusez de débattre de toute proposition du Rassemblement national. Je veux dire, même si on avait trouvé tiens, la formule de la poudre de perlimpinpin qui aurait pu sauver votre mandat, et ben même ça, vous le refuseriez. Allez, donc assumez votre obsession, bon, et votre sectarisme. C'est bon. D'accord. On va essayer de rester dans le profil de notre commission des finances dans les interventions. Monsieur Guiraud, pour l'abstention. Oui, on aborde la question de manière très pragmatique. Hein. Le principe de libre administration des collectivités territoriales et de leur fiscalité est un sujet. C'est un sujet. On en a parlé pendant le projet de loi de finances. On a eu énormément de débats là-dessus. C'est un sujet. Le problème qu'on a, c'est que ce n'est pas un sujet là qui a beaucoup de choses à voir avec la loi, ou du moins, ce n'est vraiment pas l'objet de votre loi. Donc on ne veut pas être dogmatique, on va s'abstenir sur ce sujet-là, parce que on n'est pas pour bloquer tous les rapports d'information, mais faut aussi reconnaître quand même, chers collègues, que le sujet n'a pas grand-chose à voir avec votre proposition de loi, qui est quand même une proposition de loi sur attaque sur les déchets, qui est sur l'enlèvement des ordures ménagères, qui est un sujet important, mais ça n'a pas grand-chose à voir. Donc on s'abstiendra sur ce sujet-là. Monsieur Lefebvre, pour le pour. Merci, monsieur le Président. Oui, monsieur Tanguy, on n'a aucunement vocation à améliorer cette proposition de loi, mais pour quelle raison ?
C'est une proposition de loi, M. Chenu ne m'a pas contredit, qui augmentera l'imposition des familles, en particulier des familles nombreuses. Donc, tant que vous n'aurez pas répondu à cette contradiction, on ne pourra évidemment pas vous suivre et vous proposer de modifier votre proposition de loi. J'observe ensuite le caractère totalement contradictoire de cette demande de rapport. Vous demandez au gouvernement de rédiger un rapport sur l'autonomie financière et fiscale des collectivités. Mais c'est un petit peu comme si vous demandiez à celui que vous suspectez de faire son propre rapport. La vérité, c'est que le rapport aurait beaucoup plus d'autonomie si c'était vous-même qui le faisiez. Enfin, sur les baisses d'impôts, j'observe que vous n'êtes absolument pas revenu sur ce que nous avons dit en matière de baisse d'impôts. Jamais vous n'avez souligné la nécessité impérieuse de baisser les impôts, à commencer par la taxe d'habitation. Jamais vous n'y faites référence, si ce n'est pour vous plaindre et pour justifier une éventuelle hausse d'impôts locaux. Monsieur Chenu, un retour et après on passe au vote. Non, pas d'autres éléments à ajouter, si ce n'est qu'effectivement, moi, je demande que cet amendement soit retiré. Je vous en propose un juste après, qui permet probablement de nous entendre sur cette demande de rapport. Donc, sur celui-ci, je demande simplement qu'on le retire. Merci. Qui est pour cet amendement ? Qui est contre ? Oui, qui est contre ? Ok, leur amendement est... Et ça fait tomber l'article. Oui, ça fait tomber aussi votre amendement. Article 3, amendement de suppression défendu, je pense encore, par Madame Lemoine. Oui. J'aurais tendance à dire que l'article 1 et l'article 2 étant tombés, cet article 3 n'a plus lieu d'être puisque c'était le gage. Mais ça me permettra d'apporter une réponse à Monsieur Tanguy quand vous parlez d'incohérence. Pardon, cette PPL qui nous est proposée est particulièrement incohérente entre ce que vous défendez et ce que vous démontrez finalement lorsque vous êtes en responsabilité en proposant un texte qui vient finalement priver les collectivités, je l'ai dit dans mes propos liminaires, en les muselant. Vous vous attaquez aux familles nombreuses et vous touchez au pouvoir d'achat. Nous ne sommes absolument pas opposés au débat, Monsieur Tanguy. Nous l'avons démontré depuis le début de la session parlementaire. Simplement, nous considérons, au travers de ces amendements de suppression, que le sujet est suffisamment important et qu'il ne pourra pas être abordé dans toute son intégralité à l'occasion d'une niche parlementaire. Merci. Monsieur Chenu, l'avis du rapporteur. Oui, évidemment, cet amendement n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui, puisque les deux articles précédents sont tombés auparavant. Donc, moi, je vous demanderai pour le principe de le retirer. Mais la réalité, c'est que je pense qu'il est effectivement dommage qu'on ne puisse pas, je pense exactement l'inverse de vous, Mme Lemoine, utiliser une niche parlementaire pour ouvrir un débat, ouvrir une réflexion, plutôt que de sabrer à la hache tout ce qui peut essayer d'apporter une bouffée d'oxygène, voire même simplement l'idée même d'apporter une bouffée d'oxygène à nos compatriotes sur cet impôt qui est, je vous le rappelle, vécu comme injuste par beaucoup d'entre eux. Vous n'avez pas voulu ouvrir ce débat, puisque vous avez simplement voulu rejeter ce débat, rejeter les amendements, les propositions, les articles et la proposition en elle-même. Je le regrette, je pense qu'il reviendra de toute façon, parce que vu les hausses auxquelles il faut s'attendre, il reviendra, et s'il ne revient pas ici, il reviendra dans votre circonscription, et je vous invite à expliquer effectivement à vos administrés que vous n'avez pas voulu ouvrir ce débat et qu'ils devront simplement se contenter d'une augmentation. Monsieur Tanguy. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur. Mais écoutez, si la majorité présidentielle avait voulu vraiment améliorer ce texte, au lieu, dans le même temps, c'est-à-dire 3 fois 2 minutes des amendements que vous avez déposés, Madame Lemoine, vous auriez pu faire 3 améliorations. Mais non, vous avez choisi 3 suppressions. Voilà. Donc ne dites pas que vous voulez, à main sur le cœur, améliorer le dispositif et dire que vous voulez ouvrir un débat, d'ailleurs, que la majorité aurait pu ouvrir avant. Et surtout, ne dites pas que vous êtes soucieuse de l'autonomie des collectivités territoriales, que vous avez considérablement amoindri. Et c'est d'ailleurs l'objet, en ce moment, de votre conflit avec le Sénat sur la CVAE. Donc arrêtez, si vous voulez, d'utiliser toujours des arguments. Le lundi, vous dites une chose, le mardi, vous dites le contraire, et le mercredi, vous vous contredisez sur votre propre contradiction. Donc vous êtes vraiment, il y a vraiment, pour le coup, une créativité dans la mauvaise foi de la part de la majorité pour, après avoir pourri la niche des Insoumis, pourrir la niche du RN. Madame Lemoine. Monsieur Tanguy, je ne vais pas perdre mon temps à apporter la démonstration de vos propres incohérences. Je crois qu'il y a une unanimité qui s'est dégagée, à droite comme à gauche comme au centre, ce qui prouve bien que cette PPL est inadaptée à la situation. Monsieur Chenu, pour ce qui, à mon avis, va être le mot de la conclusion avant le vote.
Non, pas de. Un regret, c'est de ne pas pouvoir aller là où nos concitoyens nous attendent, c'est-à-dire sur des débats de fond, des débats de pouvoir d'achat. On peut avoir des discours de façade dans les médias qui disent « oui, oui, la main sur le cœur, comme l'a dit Tanguy, on s'occupe de votre pouvoir d'achat ». Lorsqu'il s'agit de façon très concrète de prendre les choses en main, il n'y a plus grand monde. En tous les cas, il y a quand même les élus du Rassemblement national qui ont mis ce sujet-là sur la table et qui reviendra. Merci. Merci. Je propose donc qu'on passe au vote. Non, je vous en prie. Vraiment pas, là. Je propose... Ah, si, on applaudit. Non, on n'applaudit pas, justement. C'est pour ça que je viens de réagir aux applaudissements qui... Ah oui, voilà, c'est pour ça que je réagis. Mais merci de trouver ça bizarre que vos amis vous applaudissent. Donc, je propose qu'on passe au vote. Qui est pour l'amendement de suppression ? Qui est contre ? Donc il est adopté, l'article tombe et il n'y a pas de vote final puisque les trois articles... Attendez, juste, on se retrouve, je vous rappelle, demain à 14h pour l'examen en lecture définitive du projet de loi de finances pour 2023. Merci.